sonneries de vos téléphones portables. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Et soyez les bienvenus ici même par des expositions d'Agen pour cette cérémonie de septuor de l'économie du Lot-et-Garonne. Très heureux de vous accompagner pour cette 8e édition déjà de ces trophées septuor. 8e édition qui vont nous permettre de mettre à l'honneur les talents créatifs, les talents résilients de l'économie de ce territoire. Dans une période pour le moins délicate pour les entreprises, il a fallu s'adapter au contexte de crise sanitaire, il a fallu innover, il a fallu même parfois se réinventer. Depuis plus de 18 mois, malgré la crise, les entreprises et leurs dirigeants ont fait front afin de poursuivre leur activité, afin de poursuivre leur développement, afin de se remettre en question et parfois, de franchir le pas vers de nouveaux marchés. Plus que jamais, cette cérémonie des septuors du Lot-et-Garonne va venir couronner celles et ceux qui se sont distingués dans leur secteur d'activité, mais au-delà, vous en conviendrez, ces septuors vont récompenser également les compétences et les initiatives, les parcours particulièrement inspirants des ambassadeurs de l'économie de ce territoire. Ces réussites seront, j'en suis persuadé, une véritable source d'inspiration pour celles et ceux qui, demain, vont vouloir continuer à entreprendre, à vouloir innover, à se battre pour l'économie et l'emploi de ce territoire. 9 catégories ce soir vont s'afficher à l'écran, 9 catégories qui seront récompensés également par des partenaires fidèles. Ils vont apparaître également à cette manifestation. Ces partenaires vont être accueillis par l'organisation de cet événement, représenté par le directeur général délégué du Pôle Ouest de la Dépêche du Midi, Frédéric Touraille, qui nous rejoint. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît, Frédéric Touraille. Venez, mon cher Frédéric. Vous pouvez, si vous le souhaitez, comme l'ensemble de ces et ceux qui vont prendre le micro, retirer le masque pendant votre intervention. Nous vous demanderons les uns et les autres pour vos déplacements. Et bien sûr, au sein de cette salle, remplie, c'est le moins que l'on puisse dire, venez au centre de la scène, mon cher Frédéric, remplie d'acteurs de l'économie de ce territoire, sans compter celles et ceux qui nous suivent en direct et que nous saluons d'ailleurs et qui peuvent réagir avec le hashtag Septuor tout le long de la soirée afin d'apporter leurs commentaires, afin de saluer ces entreprises que nous allons mettre à l'honneur ce soir dans un contexte économique qui reste, l'actualité le montre, tout à fait particulier. Bonsoir Frédéric. Ah, c'est le premier micro de la soirée. Vous le voici. Ça y est, il est ouvert. Bonsoir à tous, bonsoir Eric. Très heureux d'être présent, très heureux de vous accueillir. C'est souvent une soirée qui est positive. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un environnement parfois qui est toujours délicat. L'avantage ce soir, c'est qu'on va parler de réussite, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de développement, et je pense que ça va nous faire un peu de bien. Et je profite de l'occasion, puisque finalement, on parle assez peu du groupe La Dépêche. C'est vrai. On met en avant toutes les richesses des territoires, mais simplement trois choses à partager avec vous qui sont plutôt positives et qui permettent de bien démarrer la soirée. La première, c'est qu'on a certes eu une crise qui nous a accompagnés depuis ces derniers mois, mais ça a permis au groupe Dépêche de se développer fortement sur le numérique,
Et aujourd'hui, la Dépêche, c'est 50 millions de visites sur son site internet, 140 millions de visites pour tout le groupe, et c'est la deuxième position dans le groupe, dans les groupes de la PQR, derrière Ouest France et devant Sud-Ouest. Donc ça, c'est la première nouvelle. La seconde, et en fait, vous y participez tous, hein, et notamment les équipes de Jean-Charles Bonner qui sont présentes, c'est la publicité. On vit de publicité, on vit de contenu, et aujourd'hui, la publicité en 2021 a dépassé, à fin octobre, le niveau de 2019. Ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas vrai pour tous les titres de presse, mais je tiens à le dire, parce que c'est un travail d'équipe, de toutes les équipes commerciales qui travaillent, toutes les équipes de l'agence de communication qui travaillent, et qui nous permettent d'avoir aussi un ROI pour l'ensemble des clients que vous êtes. Et puis la troisième chose, ça concerne le petit bleu, parce que le groupe Dépêche à Agen, c'est le petit bleu. Je salue Bruno Pachin qui est présent, et Sébastien Bouchereau également. Le petit bleu, c'est une vraie réussite, hein, parce que sous la houlette de Bruno et Sébastien, c'est la troisième année, cette année, qu'on aura une diffusion positive pour le petit bleu, à la fois print et numérique. Donc c'est un véritable succès, et ça aussi, c'est lié à l'ensemble des lecteurs et internautes que vous êtes. Alors, vous avez bien fait de parler de cette actualité économique, tout comme d'ailleurs, on va parler de l'actualité économique de ceux qu'on va recevoir ici sur scène, qu'on va mettre à l'honneur. Cette mise à l'honneur, elle est importante dans le contexte que nous traversons, parce que les informations positives, les informations qui finalement donnent de l'élan, font aussi partie de celles qui sont parfois sacrifiées, vu d'autres sujets. Or, ici, surtout dans ce département, mais pas que dans ce département, dans cette région, l'économie est un véritable poumon, on le voit d'ailleurs, au travers des lauréats, des nommés de cette soirée, qu'importe les gagnants, hein, j'ai envie de dire. La diversité est au rendez-vous. Alors on le verra encore ce soir, hein, je pense qu'on le commentera après le palmarès, mais c'est vrai que la CCI, avec Alain et Frédéric, hein, qui sont côte à côte ce soir avec un passage de témoin, en témoigne, c'est-à-dire qu'on travaille avec la CCI pour mettre en avant l'ensemble des entreprises, qu'on traitera positivement, comme il se doit avec Sébastien, demain dans le journal du Petit Bleu et de la Dépêche. Absolument, et déjà des nommés dont on a pu faire connaissance dans les jours précédents cette manifestation. Vous avez cité en effet les deux présidents que nous allons accueillir ici même. Alors il y a un président dorénavant en fonction, en activité, et puis il y a celui qui finalement incarnait cette mandature et qui, pendant toute la période que nous allons saluer ce soir, était aux manettes de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous applaudissez donc le président sortant, Alain Brugalière, et Frédéric Péchavi, le président de la CCI Lot-et-Garonne. Venez, messieurs, je vous en prie. Prenez place au centre de la scène, et l'un et l'autre est tel un symbole. D'ailleurs, vos deux dons vont apparaître avec les deux titres en simultané, parce qu'on peut véritablement parler d'une véritable passation. Avancez-vous un tout petit peu dans la lumière, si cela ne vous dérange pas. On peut véritablement parler d'un passage de relais entre l'un et l'autre. Alain Brugalière, vous avez tenu avec vos équipes depuis de nombreuses années, d'ailleurs, à faire que cette manifestation soit un reflet le plus juste possible de l'économie de ce territoire. De quelle façon aimeriez-vous que l'on continue à parler de l'économie et des acteurs de l'économie de ce département ? Je pense que j'ai vécu depuis près de 10-15 ans dans toutes nos soirées. Oui. Hein, je ne sais plus exactement quand nous avons commencé ou quand j'ai commencé à venir. J'ai vécu aussi 10 ou 15 ans de la vie économique du département. Et je crois que finalement, c'est des soirées qui reflètent bien la diversité économique, la diversité industrielle, la diversité commerciale du Lot-et-Garonne. Je crois aussi que c'est vraiment un show ce soir non seulement de la diversité, mais de l'excellence de l'économie lot-et-garonnaise, puisque nous sommes une économie très diversifiée. Et bien sûr, sans regarder derrière nous, mais c'est aussi ce qui nous a permis probablement de passer deux années moins difficiles, peut-être que dans d'autres départements. Quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça mon expérience, c'est un peu ça notre relation depuis de si longues années. Et c'est pour ça qu'on continuera avec vous. Alors, il faut préciser que pendant ces deux dernières années, et notamment les 18 derniers mois, le moins que l'on peut dire, c'est que les collaborateurs, collaboratrices de la Chambre de commerce et les élus ont été au plus près des entreprises, lorsqu'il a fallu les soutenir, lorsqu'il a fallu agir pour être à leur côté. On est à un moment
où l'on veut évidemment se tourner vers l'avenir, où l'on veut rester positif, où on veut parler de relance. Je passe donc le relais, sans plus tarder, à Frédéric Péchavi pour vous demander dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. S'il fallait donner un qualificatif à l'état de santé de l'économie de ce département, quel qualificatif vous utiliseriez ce soir? Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je pense que nous sommes effectivement, comme l'a souligné Alain Brugalière, sur un département qui est dynamique. Alors dynamique parce qu'il y a une diversité dans les activités. On n'a pas une dépendance vraiment sur un secteur d'activité. On a un maillage du territoire qui est plutôt équilibré, alors avec les disparités que l'on connaît, mais c'est plutôt bien équilibré. Et puis on a des entrepreneurs qui sont vraiment toujours dynamiques. Et nous, on l'a vu pendant la période de crise sanitaire où on a accompagné les entreprises. Il y a quand même des projets qui étaient là. On a, d'ailleurs, on le verra ce soir, des entreprises qui seront mises à l'honneur. Ce sont des entreprises qui ont continué à avancer pendant cette période-là. Donc voilà, il y a une dynamique qui est plutôt positive. Et nous, vraiment, notre rôle, c'est d'être à leur côté, aux côtés de ces hommes et femmes qui entreprennent tous les jours pour faire du territoire un lieu qui se développe. Alors, suite aux élections consulaires, c'est donc un nouveau bureau, une nouvelle équipe qui se met en place. Votre ambition pour cette mandature, Président? Alors, notre ambition, alors Alain Brugalière reste. Oui, j'ai bien compris qu'il y avait... Absolument. J'ai bien compris que c'était un vrai... C'est pour ça que j'ai employé le terme de passage de témoin, volontairement. Il est à nos côtés. C'est vrai qu'il a eu un mandat qui n'était pas simple parce qu'il a fallu, dans cette période-là, adapter, je dirais, la chambre de commerce à plus d'opérabilité, à être plus présente sur le terrain. Et donc, nous, notre mission, c'est de continuer cette transformation, être encore plus proche des entreprises, être sur le terrain, ce qui veut dire que nos techniciens doivent aller sur le terrain. Il faudra que aussi, et c'est une des raisons peut-être pour lesquelles aussi on a déménagé, nous étions dans ce qu'on appelait un hôtel consulaire. C'est vrai. Moi, je trouve que l'hôtel consulaire, ce n'est pas forcément un lieu qui donne envie de venir, en tout cas pour nous. Donc, on a fait un déplacement de la CCI. Ce déplacement, il est transitoire. Et un de nos objectifs, c'est effectivement de créer un lieu où on retrouvera des étudiants, des chefs d'entreprise et la CCI au milieu de cet écosystème. Alors, vous allez rester pour l'instant sur scène tous les deux. Merci Frédéric Touré, on va vous applaudir. À tout à l'heure pour la conclusion, le bilan quelque part de la soirée. Vous allez rester sur scène parce que c'est une tradition ici. Avant de remettre les traditionnels trophées dans les 7 catégories, le coup de cœur de la région Nouvelle-Aquitaine tout à l'heure, c'est la Chambre de commerce et d'industrie qui va ouvrir la soirée avec le premier trophée. Il est particulier, il n'y a pas de nommé dans cette catégorie, il y a un coup de cœur, jingle. Le coup de cœur de la Chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne à un entrepreneur, une entreprise. C'est un entrepreneur en particulier parce qu'il y a bien sûr l'entreprise et tout ce qu'elle véhicule, mais il y a surtout aussi le parcours d'un homme avec ses équipes que vous avez souhaité souligner ce soir. Mais avant de découvrir qui vous souhaitez mettre en avant pour ce coup de cœur, quelques images de l'action de la Chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne. Regardez. Chers amis, cette musique qui va se faire entendre maintenant va nous accompagner tout le long de la soirée. Encore une fois, il n'y a pas de nommé ce soir, mais au travers de ce coup de chapeau, c'est quelque part le dynamisme de l'ensemble des chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, dans le commerce, dans l'artisanat, dans l'industrie, dans le service que vous souhaitiez souligner. Il y en a un, certes, qui va être appelé sur scène, mais encore une fois, ce n'est pas pour exclure les autres, c'est au contraire, c'est au nom de tous les autres que vous souhaitez le mettre en avant ce soir. Messieurs les présidents, je ne sais lequel va officier. Je vais laisser Alain. Alors, le lauréat est Natura Plus Ultra Pet Food.
Et c'est Mathieu Wenker qui va nous rejoindre, le président fondateur. Avec Sophie, ils ont décidé tous les deux de créer il y a 7 ans cette entreprise pour rendre accessible une alimentation de qualité pour chiens, pour chats, cela correspondant au régime alimentaire naturel. Ce n'est pas la première fois, Mathieu, que nous nous voyons sur scène. Il faut que vous avanciez un tout petit peu dans la lumière ce soir. Alors, je le dis pour tous ceux qui vont nous rejoindre, il faut s'avancer sur le centre, sur le devant de la scène. 7 ans déjà, je crois que dans une précédente soirée de trophées, on était au début, on était à la création pratiquement de l'entreprise. Nous voilà un septennat après. Oui, on n'est plus septennat maintenant. Nous voilà 7 ans après. Qu'est-ce que l'on peut dire de la progression de l'entreprise que vous avez créée avec Sophie et de son domaine d'activité qui est, mine de rien, sans faire de jeu de mots, un domaine de niche? Merci. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment trouvé notre implantation dans Lot-et-Garonne. Je crois qu'on a été très, très bien accueillis par la CCI. Jean-Alain Mariotti, à l'époque, son président, qui m'appelait pas plus tard qu'aujourd'hui, pour me féliciter, m'encourager de nos perspectives actuelles, nous a bien accueillis. Ça a été le relais ensuite par Alain. Et je suis persuadé que Frédéric, ici présent, va suivre la trace. Et c'est vrai que c'est un accompagnement de qualité qui permet de s'implanter. On a démarré en pépinière, hein, il faut le savoir, donc soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, vous avez combien d'emplois? J'ai démarré seul avec mon chien. Aujourd'hui, on est 110. On vient de faire 33 millions d'euros en 2021. On en vise 50 en 2022, 150 d'ici 2025. Et c'est vrai qu'on a tout un tas de projets donc, avec nos équipes, donc des équipes qui étaient soit déjà implantées localement à Agen, soit qui ont rejoint la région. On a su trouver une attractivité pour séduire des personnes. Et elles sont venues nous accompagner dans cette aventure qui vise à rendre accessible une nutrition de qualité. On va voir quelques images qu'on va commenter, mais qui vont nous servir d'appui à cette interview. Alors, en effet, c'est un domaine tout à fait particulier, celui que vous avez développé, avec très vite, finalement, une capacité à séduire vos acteurs, les acteurs relais, parce que finalement, le client final, il nécessite de passer par un réseau de partenaires, de diffuseurs. Voilà, le client final, écoutez, il commande directement. Oui. C'est le principe. On a inventé en fait un concept qu'on a depuis Agen, qui est la livraison direct usine. C'est ça. Donc, finalement, vous êtes passé par ce biais-là directement. Voilà, directement, et ce qui permet en fait de vendre sans aucune marge de distribution et d'être au prix le plus juste. Et on apporte en fait notre service par un service client, des passionnés, des gens qui sont des spécialistes de la nutrition animale et qui sont là 5 jours sur 7 pour répondre aux questions de nos clients, qui reçoivent leurs produits en 24 heures, avec ou sans abonnement. Donc c'est très pratique, et c'est vrai que ça a révolutionné pour certains l'approche de leur alimentation des chiens et des chats. Alors aujourd'hui, les clients se situent où, Mathieu? Il y a ceux dans le premier périmètre, il y a ceux en France, mais pas que. Alors ils se situent partout en France, vraiment, mais pas que, puisqu'effectivement on est en train de lancer l'Italie, en plus de l'Allemagne. On avait pas mal de pays à l'export. Mais ça, c'est des choses qu'on va commencer vraiment à développer à partir de la fin 2022. Où on a des grosses ambitions, notamment en Italie, avec une implantation locale qu'on va mettre en place. Et on est également en train maintenant de chercher des clients qui ne souhaitent pas, pour diverses raisons, contact physique ou autre, se déplacer... commandé par internet et qui préfèrent se déplacer, avoir un contact physique. Et donc on va aller à leur rencontre. On a monté un premier magasin à Montauban la semaine dernière, un prochain à Pau au cours du premier semestre, et qui viendra compléter le premier, qui était notre magasin d'usine à Agen, à l'Agropole, qui marche très très bien et qui nous encourage dans cette voie. Alors, vous avez intégré également la French Tech 120, les 120 sociétés technologiques les plus prometteuses. C'est bien parce que vous parlez d'un développement de magasins physiques avec un contact direct. Et pour autant, l'innovation est toujours au cœur de votre développement. L'innovation passe par la tech. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est une entreprise à la fois industrielle, mais également une entreprise technologique, puisque tout est vendu sur Internet. Et au départ, bon... Les choses ont pressé, en fait, on faisait faire nos sites internet par des agences. Aujourd'hui, on a une équipe de 8 développeurs avec un directeur technique qui s'occupe de l'ensemble de notre développement.
On maîtrise parfaitement toutes les techniques de web marketing avec une équipe d'une dizaine de personnes autour de ça, de CRM. Alors là, je vous parle de termes, mais qui sont des termes très, qui permettent de réussir dans l'e-commerce. Donc je crois qu'on a intégré l'ensemble de ces fonctions-là, qui vont bien au-delà de la simple industrie et logistique de départ. Et donc c'est ce qui a fait qu'on a été lauréat de la French Tech pour continuer à nous soutenir, à nous accompagner dans le développement futur. Et alors justement, le développement futur, j'ai vu que vous visiez d'ici 5 ans à atteindre les 100 millions de chiffres d'affaires. 100 millions de chiffres d'affaires. Oui, c'est ce qu'on vise en France, avec un peu plus sur l'international. Ah oui, c'est même que le chiffre français, ça. C'est français. Ça veut dire ce marché, quelque part, vous allez pouvoir continuer à l'occuper, ou est-ce que vous avez soudain maintenant de nouveaux entrants qui peuvent perturber la part de marché importante que vous avez ? Non, si vous voulez, on a vraiment une approche qui est très moderne, qui est très cœur de marché, hein, c'est-à-dire vraiment la nourriture premium de qualité à faible teneur, on va dire, en céréales. On est dans le cœur du marché, on est à un prix vraiment accessible du fait de la vente directe. Donc cette approche novatrice, elle a encore beaucoup d'avenir. Je pense qu'on va chercher de plus en plus de clients, on a de plus en plus de notoriété. Au départ, vous savez, on faisait très peu de publicité. Maintenant, on est passé de une à quatre vagues de pub TV par an. Il y a presque un propriétaire de chien sur trois qui nous connaît bien, et de chats. Donc, on va continuer jusqu'à ce qu'ils nous connaissent tous. Messieurs les présidents, vous saisissez dans des trophées derrière de cette soirée et vous le remettez à celui qui est votre coup de cœur, monsieur Mathieu Winkler, président et fondateur de Natura Plus Ultra Pet Food. Vous applaudissez, s'il vous plaît. Bravo à vous. Bravo. Photo. Merci. Regardez merci en face. Restez là quelques instants, le temps que la photo se prenne. Merci beaucoup, juste Monsieur le Président. Allez-y. Voilà, allez-y. Si vous me permettez, parce que Mathieu a, il y a un aspect humain aussi qui est très fort chez Sophie et Mathieu Winkler. Et moi, je veux vraiment les remercier. Alors, je vais prendre ma casquette de président de Sud Management. Mais Mathieu et Sophie font un gros travail d'intégration des alternants. Et quand on discute avec les alternants qui sont chez eux, je dirais qu'ils sont tous ravis et ils apportent beaucoup par leur expérience, Sophie et Mathieu, aussi bien de leur parcours universitaire, école de commerce et de leur quotidien d'entrepreneur. Et vraiment, ils transmettent ça aux alternants. Et pour nous, c'est très précieux à suivre. Donc vraiment, je te remercie avec Sophie pour ce que vous faites. Merci beaucoup à vous. Et comme quoi, dans ce secteur d'activité, parler du capital humain, vous voyez, ça a toute sa valeur. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse regagner la salle alors qu'on va découvrir maintenant le reste du palmarès. Je vous invite à redescendre sur ce côté de la scène. Le prochain trophée, le premier en réalité du palmarès traditionnel, c'est le prix développement durable. Je vous propose sans plus tarder le jingle qui ouvre cette catégorie. Le développement durable en Lot-et-Garonne, ce sont des questions qui trouvent de pertinentes réponses sur le territoire. Nous allons évoquer ce prix avec le partenaire de celui-ci, Dartus Automobile Toyota. Jérémy Perbos en est le représentant. Il nous rejoint sur scène pendant que l'on voit quelques images de la marque Toyota. Regardez. Le film va dérouler, nous allons commencer à converser ensemble, venez au centre de la scène, on va laisser le film sur grand écran, mais c'est une belle symbolique quelque part, Jérémy Perbos, que vous soyez le partenaire de cette catégorie développement durable, parce que s'il y a bien un secteur dans lequel on parle évidemment d'énormes enjeux en matière énergétique, en matière de lutte contre les effets néfastes de pollution, c'est bien le domaine de l'automobile, et le Toyota, que vous représentez ici même, et on peut le dire, extrêmement précurseur dans ce domaine, et en tout cas dans la prise de conscience qu'il fallait avoir au sujet des nouveaux enjeux de la mobilité de demain.
Tout à fait. Il faut dire que Toyota, nous, on est... Il faut parler bien près du micro. Ah. Si, si, il fonctionne, mais bien près, voilà. Voilà, excusez-moi. Non, Toyota, on représente une marque forcément sur l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, tout est fait sur nos véhicules pour avoir le moins d'émissions de CO2. Voilà, nous, ce que l'on veut, c'est vraiment mettre en avant l'avenir de nos familles et de nos enfants. Alors, en tant que leader de l'électrification, Toyota compte lancer 40 nouveaux véhicules électriques, une large gamme de groupes moteurs-propulseurs électrifiés d'ici 2025. C'est un énorme enjeu, également pour les équipes qui accompagnent quelque part là, les concepteurs, bref, les équipes de terrain à qui on s'adresse pour savoir si oui ou non c'est efficace, rentable, combien de kilomètres, comment on le gère. C'est exact. Nous sommes impatients de pouvoir vous présenter toute notre gamme, en sachant que Toyota fait déjà de l'hybride depuis 1997, hein, plus de 20 ans d'expérience, de recul sur cette technologie. Aujourd'hui, nous allons passer forcément sur l'électrification et prochainement sur l'hydrogène. Voici les trois nommés dans cette catégorie. L'un de ces nommés sera celui à qui vous allez remettre symboliquement ce prix développement durable. Regardez. Babcock Wanson, basée à Nérac et dirigée par François Blin, est une entreprise industrielle qui fabrique des chaudières industrielles de A à Z et commercialise ses propres activités de service, contrats chaudières et brûleurs. Ils apportent un accompagnement sur toute la durée de vie des équipements pour toutes les entreprises qui utilisent de la vapeur dans leurs process industriels. Elles développent de nouvelles solutions pour émettre moins de rejets polluants et utilisent les déchets industriels pour ses propres combustibles. Elles disposent également de matériel de prêt à louer pour dépanner ses clients. Créée en 1959 par des arboriculteurs et aujourd'hui dirigée par Jean-François Berthoumieux, ACMG a vocation à lutter contre le gel auprès des vignerons et arboriculteurs de l'Hexagone. Elle a aussi créé la SRL Agralis Service, leader du pilotage de l'irrigation avec des sondes capacitives. ACMG est entre-temps devenu un centre de transfert technologique sur les questions d'eau et de climat de la région Nouvelle-Aquitaine et le leader de deux projets européens, Interreg, sur les solutions pour s'adapter localement au changement climatique et pour l'alerte des événements extrêmes. De Sangos est un groupe de 25 sociétés d'exploitation et des autorisations de mise en marché dans plus de 60 pays. Sa mission est d'accompagner la résilience de l'agriculture et sa transition agroécologique par la mise en œuvre de nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement, surtout pour les utilisateurs, plus compétitives, utilisant moins d'intrants, d'eau et d'énergie. De Sangos, dirigé par Nicolas Fillon, connaît une croissance soutenue portée par sa constante stratégie d'innovation. Son objectif, c'est de se positionner sur des solutions naturelles. Et vous applaudissez, s'il vous plaît, très fort. Les trois entreprises dont le nom va apparaître juste à côté de moi sur l'écran. ACMG, Agralis, De Sangos, ainsi que Babcock Wanson. Tous trois mériteraient le trophée. Pourtant, c'est la règle du jeu. La musique suspense va démarrer. Un seul va être récompensé. L'image va arriver à côté de l'écran, vous allez voir. Allez-y. Le nominé... ACMG Agralis. Le lauréat ACMG Agralis, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Ici même, Jean-François, Isabelle Berthoumieux. Je crois que l'un ou l'autre, voire les deux, sont présents parmi nous ce soir. C'est tous les deux. Je rappelle que c'est en 1959 que ACMG, qui avait vocation à organiser le travail pour lutter contre le gel, a été créé par des arboriculteurs. Et vous voici pour prendre le relais. Alors, je pense que je n'ai pas Jean-François et Isabelle. Donc, vous allez tous les deux... vous présentez, ça vous voyez ce don d'observation, venez au centre de la scène, ne restez pas dans le noir, et on va essayer de donner un micro à tout le monde, mais venez. Alors présentez-vous. Alors moi je suis Claude Crouzet, je suis le président de l'association. Et vous êtes ? Jean-François Berthoumieux, le directeur, et Isabelle Berthoumieux était très fatiguée ce soir, elle m'a dit, bon, on ne va pas gagner, donc je n'y vais pas. Elle va être déçue. Hein. Non, je pense qu'elle va être très heureuse de savoir en effet qu'elle a gagné, parce qu'elle nous suit d'ailleurs en ce moment en mode digital. Que de chemin parcouru dans votre secteur d'activité, dans tout ce qu'il y a autour hein, de l'écosystème de celui-ci, entre 1959 et aujourd'hui, avec pour 2022 toujours des projets, un travail de recherche appliquée sur de nouvelles sondes pour alerter sur la qualité de l'eau, ça veut dire que plus que jamais, l'innovation doit être au cœur de tout le développement pour le progrès dans votre secteur d'activité. Ben oui, ce qui marche aujourd'hui, c'est ce que nous avions imaginé il y a 20 ans. Et donc, tous les 5 ans, il faut imaginer quelque chose de nouveau. Et,
Et c'est vrai, la région nous soutient dans le développement de nouvelles sondes, de nouveaux systèmes. Et ce n'est que comme ça que des jeunes peuvent arriver. Alors nous, tous les deux, on est des vieux, là. Mais dans l'équipe de la CMG d'Agradis, il y a des jeunes. Combien vous êtes aujourd'hui ? On est 16 et bientôt, on va être 20. On attend de déménager pour pouvoir être plus nombreux. Le profil de ces 16 et de ces futurs 20 qui travaillent avec vous, ils viennent de quels horizons ? On a des techniciens dans l'agriculture, des techniciens dans l'agrométéo, et puis ça termine par des docteurs, des gens qui ont envie de faire du travail de recherche appliquée, qui ont envie d'être au contact du terrain pour trouver les solutions aux problèmes qu'il y a. Alors les enjeux liés au changement climatique sont énormes, évidemment. Les questions liées à la gestion de l'eau le sont tout autant. Et là, il y a un travail qui, pour vous, tient à cœur. Il y a non seulement, évidemment, le travail technique, mais si j'ai bien compris, il y a également le travail d'acculturation, de prise de conscience. Oui, la prise de conscience, c'est d'abord de faire partager, moi de civil, le travail que l'on fait. Parce qu'au départ, on le faisait uniquement pour l'agriculture. Maintenant, on le fait aussi pour les villes. On le fait aussi pour l'intérêt général. Comment est-ce que vous imaginez votre structure dans quelques années maintenant? Comment vous l'imaginez? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure avec beaucoup de justesse, Jean-François Berthoumieux, vous étiez quelque part précurseur de ces questions. Vous imaginez qu'elle prendrait aujourd'hui autant de place, autant d'enjeux? Et donc, comment vous imaginez votre structure demain? Et quel rôle pourra-t-elle jouer? Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à parler de changement climatique à la fin des années 80, et dire qu'on pouvait faire des oliviers dans la vallée de la Garonne dans une dizaine, quinzaine d'années, tout le monde ricanait, souriait. Aujourd'hui, j'imagine qu'à Bordeaux sera sous l'eau dans 50 ans, donc il faudra qu'ils viennent sur Agen, et Agen sera le centre du sud-ouest. Parce que... Je ne m'attendais pas à ce genre de prédiction, vous voyez, quand je vous ai posé la question, mais allez-y. Et donc, on a créé un centre sur la TAG qui sera certainement le lieu où, à la fois de la matière grise sera installée, on viendra réfléchir à l'adaptation à ces contraintes nouvelles. Et ce qui est intéressant sur le Lot-et-Garonne, c'est qu'il y a un climat qui est assez sympa, avec du vent d'automne qui arrive, avec de la pluie. Et nous existerons parce que justement, on a une ressource en eau abondante qui nous tombe du ciel, à condition de savoir la partager tous ensemble. On va vous applaudir très fort. Jérémy Perbos, prenez un des trophées derrière. Remettez ce trophée à notre duo présent ici même. Venez au centre de la scène et que votre action soit en tout cas durable, comme le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Avancez-vous, s'il vous plaît. Recevez quelques applaudissements bien mérités pour ce trophée développement durable à ACMG Agralis. Victor Dartus et toutes ses équipes Toyota de Villeneuve-sur-Lot et d'Agen sont très fiers de vous remettre ce sceptre. Félicitations. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse regagner la salle. Et alors que nous allons découvrir maintenant le prochain prix, la prochaine catégorie, c'est l'industrie. La catégorie industrie maintenant, une industrie qui mise sur l'innovation, sur le savoir-faire. Le partenaire de cette catégorie, c'est Prévis France. Et alors que Sébastien Gouillet, responsable commercial, et Sandrine Paris, chargée d'affaires, nous rejoignent, quelques images de ce qu'est Prévis France aujourd'hui. Regardez. Tous besoin d'être protégés. Et avec le temps, on a tous besoin de protéger à son tour ce que l'on aime et de faire le choix de la bonne mutuelle. Prendre soin, c'est humain. Mutuelle Prévis France, vous protéger, c'est naturel. 350 000 personnes protégées, 10 000 entreprises adhérentes, 40 agences, 200 conseillers classés aujourd'hui dans le top 20 national.
et toujours les deux pieds ancrés dans la proximité, dans le service, dans ce département comme ailleurs, ai-je envie de dire, vu la mise en place de Prévifrance partout sur le territoire. C'est ce qui explique le contrat, quelque part, et l'engagement de confiance qu'il y a entre celles et ceux qui sont vos clients et vous-même, Sébastien. Oui, forte présence ici en Lot-et-Garonne et on est la première mutuelle indépendante du Grand Sud-Ouest. Alors effectivement, une fois que je vous ai dit ça, je ne vais pas dire grand-chose, c'est que simplement aujourd'hui, tous nos organes de décision et de gestion, ils sont locaux et ça nous permet d'avancer, notamment sur le territoire, une gestion et un service de proximité pour nos adhérents qui est, j'ai envie de dire, sans équivalent aujourd'hui sur le Lot-et-Garonne. Alors il s'agit évidemment de protéger les entrepreneurs, leurs salariés à chaque instant de la vie. Il y a les protéger, il y a les conseiller pour qu'ils trouvent et évidemment le meilleur contrat, la meilleure solution, et j'ai envie de dire, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Non, c'est vrai que c'est pas évident. Alors on parle de TNS, de travailleurs non salariés, oui. De TPE, de grands groupes. Aujourd'hui, on est à même de conseiller. Mes équipes sont présentes ce soir et elles sont spécialisées dans la protection sociale. Alors c'est pas facile tous les jours, mais on essaie de conseiller au mieux, on va dire, tous ces intervenants. Pour le meilleur des services possibles. Alors, Sandrine est parmi nous, elle est chargée d'affaires. D'autres travaillent évidemment au plus proche des différents secteurs d'activité. C'est une période de l'année où vous avez beaucoup de travail, Sandrine ? Oui, toutes les fins d'année pour nous sont assez denses, on va dire. Après, on est très content aussi d'être là parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont nommées ce soir et qui nous font confiance depuis longtemps. Donc, voilà, contente de voir... Alors, je ne sais pas si les deux nommés dans cette catégorie font partie de vos clients. Quoi qu'il en soit, vous aurez en distingué l'une d'entre elles. Regardez. Fabricant de machines pour l'agroalimentaire depuis 30 ans à Saint-Yvrat-sur-Lot, l'entreprise Métallomécanique a été reprise en 2016 par Sébastien Nérac et a enclenché une nouvelle dynamique avec de nouvelles machines industrielles pour le découpage jet d'eau. En 2021, elle a conçu de la robotique et de l'automatisme à destination des industries pour les aider à améliorer les conditions de travail de leurs opérateurs. En 2022, elle va poursuivre ses projets avec des investissements sur des lignes de production pour ses clients de l'agroalimentaire. Créée en 2002, l'entreprise Lexem, installée à l'agropole d'Estillac et dirigée par Dominique Portron, s'est rapidement structurée pour devenir un ensemblier reconnu dans la construction de machines spéciales pour l'agroalimentaire. Lexem développe aussi une offre dédiée à la palettisation, le PAL Easy, qui est le robot palettiseur le plus performant et le plus simple du marché. Cette activité connaît un fort développement et son logiciel intuitif permet aux clients de programmer par eux-mêmes leur propre plan de palettisation sans faire appel à un professionnel. Et vous applaudissez, s'il vous plaît, ces deux entreprises nommées dans cette catégorie. Musique suspense, sans plus tarder, nous allons découvrir le nom du lauréat. Allons-y. Alors, le lauréat pour cette catégorie industrie, qui n'est pas adhérent, qui j'espère le deviendra très vite. Ah, je vous reconnais bien là. Ouais. C'est Lexem. Lexem, Dominique Portron va nous rejoindre ici même. Un industriel qui se distingue dans la palettisation. Venez, je vous en prie, ici. Alors, je vais demander à l'équipe de Prévifrance de venir à mes côtés pour que nous gardions un minimum de distanciation. Petite présentation de l'un et l'autre, puisque Dominique Portron est bien là, mais il n'est pas seul. Bonsoir à tous. Donc, je suis accompagné d'Alain Bigot, qui est un des collaborateurs de Lexem et qui a participé à la création de Lexem avec Dominique Blanc, qui est le créateur en chef, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir. C'est en 2002 que cette entreprise installée à l'agropole d'Estillac a été créée. Elle s'est structurée pour devenir un ensemble reconnu dans la construction de machines spéciales pour l'agroalimentaire. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a une véritable évolution dans l'offre. Alors, il y a une évolution dans l'offre. Alors là, je vais laisser la parole à Alain, puisque c'est lui le spécialiste de l'offre palettisation. Il vous en parle un petit mot. Oui, l'offre de palettisation a évolué à Lexem avec un produit propre. On parlait exactement il y a quelques instants. Avancez-vous un tout petit peu dans la lumière, les uns les autres. Merci beaucoup. Qui nous permet aujourd'hui de faire des installations très rapides, très simples, et qui permet d'accéder à des marchés qui sont sur le territoire français, relativement éloignés, qui peuvent être sur le nord de la France, pourquoi pas l'étranger, Rennes, etc. C'est aujourd'hui la solution, entre guillemets, phare qui explique le fort développement de l'entreprise.
qui est au cœur de son développement, en tout cas. Oui, pas que. Il y a une offre robotique assez générale qui nous permet, comme vous avez vu sur les vidéos, de faire donc du traitement de produits, de la reconnaissance caméra, de la conduite des robots via une caméra. Et donc, ces ensembles d'offres qui ont fait le développement de l'XM sur les 20 dernières années, parce que l'XM va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Avec toujours des projets, toujours l'innovation, hein, parce qu'on l'a bien compris au travers de ces évolutions, c'est l'innovation qui est quelque part le fil rouge de l'ensemble du développement de l'entreprise de ces 20 ans. Dans le milieu industriel et surtout la robotique, l'innovation, la progression des entreprises ne passera que par l'innovation. Il faut toujours conserver et entretenir une longueur d'avance si on veut continuer un développement d'entreprise. Mais en termes de développement, j'ai quand même un mot à dire aussi, c'est que... peut-être devancer ce que vous alliez dire. L'XM a pris un tournant au mois de juillet dernier. Aujourd'hui, on est sous le pavillon Vinci, dont Dominique est le nouveau chef d'entreprise. Et donc, depuis le mois de juillet, on est sous cette coupe qui, je pense, va être pour nous un véritable accélérateur de développement. L'entreprise qui a démarré il y a 20 ans à deux personnes a progressé pour aujourd'hui avoir un effectif d'une trentaine de personnes était devenu un petit peu compliqué à gérer. Le groupe Vinci va nous accompagner pour aller, j'espère, encore plus haut dans les années qui viennent encore. Vous avez entendu à quel point, d'ailleurs, il faisait déjà parler de lui. Ouais, vous avez remarqué à quel point. En tout cas, on voit bien la progression et le développement de l'entreprise. On voit bien également la performance liée à l'innovation de celle-ci. Et on vous souhaite bon vent. Je vais demander à l'équipe de Prévis France de vous remettre le trophée au centre de la scène et à la salle de vous applaudir très fort, s'il vous plaît. Bravo et félicitations. Avancez-vous. On va essayer de faire des photos tout en respectant un minimum la distanciation tant que faire se peut. Et vous allez recevoir quelques applaudissements bien mérités, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à tous, merci aux partenaires. Alors avant de passer au prochain trophée, alors je demande à la régisseur de vraiment faire attention de gérer le son au fur et à mesure, s'il vous plaît, de l'ensemble de la soirée. Je vais sans plus tarder demander au président du comité départemental olympique et sportif du 47 de nous rejoindre, parce qu'avant d'avancer dans le palmarès, nous allons nous arrêter quelques instants sur un des rendez-vous évidemment importants fixés à horizon 2024, les Jeux Olympiques, ici en France. Vous applaudissez Jean-Marie Thauveau, s'il vous plaît. Prenez un micro. Monsieur le président du comité départemental olympique et sportif du Lot-et-Garonne, moi qui suis le voisin à quelques pas de Tony Estanguet, j'ai toujours beaucoup de plaisir à accueillir un président de comité départemental olympique et sportif. Pourquoi s'adresser, pourquoi être là ce soir et pourquoi souhaiter s'adresser aux entrepreneurs et au monde de l'entreprise présent ici même? Alors, d'abord, bonsoir à tous. Il faut parler bien près du micro, par contre. Merci, monsieur le directeur général, monsieur Touré, de nous accueillir. Mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, mesdames, messieurs les élus, et puis mesdames et messieurs, on va effectivement parler sport, parce que le sport, je crois, est très lié avec le mouvement sportif. Et on va parler d'olympisme, on va parler de paralympisme, et on va parler des passerelles qui peuvent exister entre le mouvement sportif et le monde de l'entreprise. Alors tout d'abord, une citation, une devise. Situs, altus, fortus. Je ne vous pose pas la question, vous savez tout ce que cela veut dire. Plus vite, plus haut, plus fort. Voilà, ça c'est la devise. Deuxième thématique, on va dire, c'est la charte. Et dans la charte, il y a deux mots qui reviennent souvent. Le respect, dans sa diversité. C'est-à-dire, peu importe la couleur de la peau, peu importe la religion, on pratique tous ensemble, peu importe le niveau. Et un deuxième mot qui revient souvent, c'est l'entraide. Voilà en deux mots les principes de la charte olympique. Pour commencer, on va diffuser un petit film sur Paris 2024. Regardons, s'il vous plaît. À mon avis, ce n'est pas ça. La Chine pour l'agroalimentaire depuis 30 ans. J'en suis persuadé, ce n'est pas ça. Mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Jeux d'été en France. Par contre, ça, oui, regardez. Alors, pour fêter le retour des Jeux, la France compte bien mettre le paquet et organiser des Jeux exceptionnels. Le spectacle sera complètement inédit, car les épreuves sortiront des stades traditionnels. On pourra alors voir les athlètes concourir directement dans les lieux mythiques de la capitale et de notre pays.
Du beach volley au pied de la Tour Eiffel, de la nage libre dans la Seine, de l'escrime au Grand Palais, de l'équitation au Château de Versailles, ça va être magnifique. Et pour la première fois, certaines épreuves seront ouvertes au grand public, comme le marathon qu'on pourra courir sur le même parcours juste après les athlètes. Mais ce n'est pas tout. Des épreuves seront aussi organisées dans toute la France. Marseille accueillera les compétitions de voile. Le foot se déroulera dans plusieurs villes françaises, tandis que les surfeurs se retrouveront à Tahiti sur la vague mythique de Te Ayupo, l'une des plus belles au monde. En plus de mettre en avant la richesse de notre pays, cela permettra de réduire au maximum les constructions nécessaires à l'organisation des Jeux. Car Paris 2024 s'est engagé à lutter contre le réchauffement climatique et veut réduire par deux les émissions carbone par rapport aux précédentes éditions des Jeux. Là où avant on construisait 8 à 10 équipements sportifs pour les Jeux, nous n'en construirons plus que un, le Centre Aquatique Olympique. Pour le reste, on s'appuiera sur des installations existantes qui seront toutes desservies par des transports en commun pour réduire au maximum les émissions de CO2. C'est super ça! Enfin des Jeux éco-responsables! Responsables de l'environnement, oui, mais pas que. Responsables envers la société également. Car le village des athlètes sera réutilisé pour créer de nouveaux logements. L'alimentation proposée aux athlètes et aux spectateurs sera locale. Les Jeux vont permettre à encore plus de personnes de se mettre au sport, notamment celles qui en sont aujourd'hui éloignées. Les habitants des quartiers prioritaires, les personnes en situation de handicap. Waouh, génial ça! Ouais, t'as vu, ça fait quand même pas mal de changements, hein? Oh oui, du changement à l'appel! Sans oublier les nouvelles disciplines qui seront représentées et les nouveaux exploits qu'on a impatience de découvrir. Car à chaque année, de nouveaux records. Cette édition encore, on s'attend à pas mal de surprises. On a hâte de voir tout ce que ces Jeux nous réservent. On a hâte de voir, en effet, tout ce que cela va nous réserver. Alors, petit mot de présentation, vous êtes venu avec quelques diapositives qui vont s'afficher en parallèle de votre prise de parole. Je vous en prie. Alors, tout d'abord, je voudrais dire, ils ont parlé de lieux symboliques, mais imaginez la descente de la Seine par tous les athlètes. D'habitude, la cérémonie d'ouverture, c'est dans un stade, 90 000 personnes, 90 000 privilégiés. Et là, normalement, ça se fera sur la Seine avec 500 000 ou 1 million de personnes si le préfet de Paris accepte cette jauge en 2024. J'espère que vous serez parmi eux et que vous serez au bord de la Seine pour les applaudir. Alors, le comité... Le comité olympique du Lot-et-Garonne, je vais quand même vous en parler parce que nous représentons le mouvement sportif olympique dans chaque département et donc il y a un comité départemental olympique. Alors pour faire court, le Lot-et-Garonne, on est situé comme 90e département économiquement quand on additionne tout. Le comité départemental olympique et sportif se situe dans les 10 premiers. Je suis persuadé que nous sommes sur le podium, mais ma modestie me fera penser que nous sommes que dans les 10 premiers. Nous sommes quand même les 10 premiers, mais nous sommes, pour arriver à ce résultat, nous appuyons sur 20 bénévoles. Ça, c'est une première chose. On va savoir que le bénévolat, c'est un des piliers du mouvement olympique, du mouvement associatif. Nous avons 707 salariés, pardon, 350 kilos d'euros de budget annuel. Donc, vous voyez, nous sommes quand même une petite PME dirigée par des salariés, mais aussi par des bénévoles. Nous sommes l'interface donc, entre le mouvement sportif et toutes les institutions départementales, que ce soit les collectivités, l'État, le conseil départemental. Quatre missions. Alors, les quatre missions, je vais vous dire rapidement, hein, le sport, éducation et citoyenneté, la politique publique au niveau, la professionnalisation. Alors, de suite, je vous le dis, ce n'est pas le sport professionnel. Nous défendons le sport amateur. La professionnalisation, c'est-à-dire que nous sommes le seul département en France support d'une formation professionnelle qui s'appelle BPJEPS-APT, qui est faite pour former des éducateurs sportifs. Et c'est le seul comité départemental qui organise cette formation de territoire et qui permet aujourd'hui à environ 70 éducateurs sportifs de vivre et avoir un vrai métier dans le sport en Lot-et-Garonne et quel que soit le lieu, c'est-à-dire surtout le territoire lot-et-garonnais. Et le dernier point, c'est le sport santé-bien-être. Des passerelles, bien sûr, avec le sport entreprise. Je suis en même temps. Je ne reviendrai pas sur ces chiffres. Bon, ce sont des chiffres qui vous permettent effectivement de regarder que plus vous aurez vos salariés qui feront du sport et qui pratiqueront une discipline sportive, et plus votre société se portera mieux. Nous avons trois types de partenariats à propos des entreprises. Le premier,
Tous les ans, nous faisons un challenge en entreprise. L'année dernière, enfin, il y a deux ans, puis l'année dernière, on n'a pas pu le faire à cause de la Covid. Nous avions une trentaine d'entreprises à, comment ça s'appelle, au Temple sur l'Aude. Nous pouvons aussi proposer des animations sur mesure, c'est-à-dire si vous avez envie de faire connaître à vos salariés ou d'avoir une journée de découverte sportive, eh bien, on peut vous organiser à la demande des partenariats sur diverses disciplines sportives, quelles qu'elles soient, celles que vous avez envie de pratiquer, de faire découvrir à vos salariés. Et le troisième point qui est important, nous allons essayer de mettre en place, ça aussi c'est une priorité de notre comité départemental, c'est assez difficile à mettre en place puisque c'est un partenariat avec l'éducation nationale, donc c'est un peu compliqué. Nous allons essayer de mettre un vrai parcours. Et c'est là où les entreprises pourront être efficaces et nous intéresser. C'est-à-dire, pour moi, le vrai parcours, c'est-à-dire des jeunes qui commencent à 6e, 5e, 4e, 3e, qui sont dans un véritable cursus sportif et éducatif. Et puis, au moment de la 3e, au moment où on leur demande de rechercher une entreprise, c'est pouvoir leur permettre de venir dans vos entreprises, en découvrir plusieurs, pour après leur faire découvrir aussi votre monde et puis les intéresser et les impliquer dans votre entreprise, pour après peut-être les conserver en tant que, avec des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage, peu importe. Mais c'est surtout les fidéliser et fidéliser nos sportifs de bon niveau, de haut niveau, qui ont trop tendance à partir loin de nos bases. Et pour ça, je vais illustrer mes propos. Récemment, nous avons eu un athlète qui s'appelle M. Gabriel Tual, 8e aux Jeux Olympiques sur le 800 mètres à Tokyo. J'ai discuté avec lui et ce jeune, il est parti sur Bordeaux. Et alors, on est venu à discuter de métier et là, il m'a dit... Oui, mais tel métier, dans Lot-et-Garonne, on ne trouve pas. J'ai dit, mais tu te trompes. Dans notre département, il y a de très belles entreprises. Il y a tous les secteurs. Tu as un monde entrepreneurial extraordinaire. Et ça, nos jeunes ne le savent pas. Donc, ils partent à Bordeaux, à Toulouse, parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver ce qu'il faut. Ils l'ont sur le territoire. Vous en êtes tous à la preuve. Donc, je crois que ça va être un moment important. Et... si nous arrivons à mettre en place ce projet, j'espère que vous accueillerez tous nos jeunes, parce que dans ces jeunes qui ont cette volonté, bien entendu, vous aurez un retour pour votre entreprise qui répondra à toutes vos attentes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Mais avant de partir, je voulais simplement faire un peu de pub. Vous êtes le monde de l'entreprise. Je suis issu aussi du monde de l'entreprise, puisque je suis entrepreneur depuis quelques années. Il y a un projet que je défends beaucoup, et c'est mon ami Bruno Cassé, Prunéo. J'ai vu qu'il était partenaire. Alors, toutes les fois que je vois beaucoup de chefs d'entreprise, je leur dis, vous savez, vous pouvez défiscaliser jusqu'à 250 euros par salarié. Offrez-leur des cadeaux Prunéo. Peu importe, ici à Marmande ou à Villeneuve, il doit y avoir d'autres Prunéo aussi. Prunéo. Vous allez directement injecter dans vos commerçants à Genève une partie. Et dans ces conditions si difficiles, au lieu que vos salariés dépensent leur argent sur Internet, c'est très bien Internet, mais au moins là, ils iront dans le local, dans les commerces locaux, donc aidez-les, prenez des Prunéo. Le message est clair, merci beaucoup, et ça montre la solidarité qu'il y a entre tous les acteurs du territoire. Merci beaucoup à vous, et merci pour cette présentation qui montre à quel point le secteur du sport et le secteur de l'entreprise sont évidemment liés avec cet objectif en plus à Horizon 2024. Le prochain prix, c'est le prix agroalimentaire. Jingle. Le secteur agroalimentaire, un secteur qui a su se jouer de la crise. Nous allons mettre à l'honneur trois entreprises en quelques instants. Nous allons le faire avec un partenaire incontournable dans ce secteur comme dans d'autres sur ce département, Groupama. Le président de la fédération départementale, Christian Cassanier, va nous rejoindre avec le responsable commercial du département, Laurent Champalou. Quelques images pendant qu'ils font quelques pas jusqu'à nous. La vie. On ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Combien de moments forts, combien de joie, de coups durs, de coups de tête, d'envie, de projets, de folie. On ne sait pas bien où elle va, la vie, quel chemin elle prendra. Mais chacun veut tracer sa route, construire la sienne de vie.
sa vie de couple, son lieu de vie, sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie d'après, sa fin de vie. Il y a plus de 100 ans, des agriculteurs ont pensé que pour construire sa vie, face aux aléas de la vie, le mieux était de s'entraider, de se regrouper, d'avancer en s'épaulant les uns les autres. Ensemble, ils ont créé le mutualisme. Une idée et des valeurs toujours d'actualité, qui nous guident pour l'avenir, partout dans le monde. Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. C'est notre raison d'être. Nous sommes le groupe Groupama. Un président, un responsable commercial, bon, cette image symbolise bien quelque part en des fondements de l'efficacité, de la présence terrain, de l'écoute dans les bons, dans les moins bons moments hein, des uns des autres. Je ne sais par lequel on démarre, par le président ou par le responsable commercial, mais encore une fois, le duo que vous représentez et qui s'épaule de tous les élus, évidemment, de toutes les équipes, représente ce maillage territorial qui est une des clés de réussite de l'ancrage de Groupama ici. C'est bon, allez-y. C'est bon. Tout à fait. Le maillage, vous avez parlé du maillage sur le terrain. Le Lot-et-Garonne, c'est 200 élus à Groupama. Et moi, je suis le président de département, donc je représente les sociétaires. Et à ce titre, je participe tous les mois à une réunion avec le comité de direction de l'entreprise, des départements. Laurent, plus que jamais aujourd'hui, on a besoin d'écoute, de personnalisation dans les solutions. On a bien vu que la période qu'on vient de traverser montre que sans cette écoute, sans cette personnalisation, impossible finalement d'arriver à trouver la bonne solution, le bon contrat, le bon accompagnement. Tout à fait. Déjà, c'est toujours un plaisir de vous accompagner. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on est avec vous et c'est toujours intéressant de découvrir la richesse de notre département. On parlait de proximité, nous on est sur le territoire, c'est 9 agences commerciales sur le département 47, c'est 70 salariés, c'est 34 millions de chiffre d'affaires sur le département 47, et puis c'est un ancrage avec l'institutionnel et puis tout notre réseau. C'est aussi un investissement de 44 millions d'euros qu'on réinvestit sur le Lot-et-Garonne par l'intermédiaire soit d'actions que l'on mène avec notre réseau institutionnel, mais aussi le reversement des sinistres que l'on peut payer et l'accompagnement que l'on fait au quotidien. On a vécu une période très difficile. Il a fallu qu'on soit à l'écoute de nos sociétaires. On est très diversifié. On a des partenaires qui accompagnent les entreprises. Nous aussi, on est à la fois sur le marché agricole, vous l'avez vu, et on a été, entre guillemets, présent dans cette période un peu délicate, mais sur le marché de l'entreprise aussi. On est sur l'agroalimentaire, on est sur la collective, on est sur la santé, on est sur les contrats groupes, tout ce que l'on peut faire au niveau du marché professionnel. Voici les 3 nommés dans cette catégorie agroalimentaire. Portrait. Dans le pays du pruneau, à Allemand-du-Drop, l'entreprise Frigourmet a été pionnière dans la méthode de réhydratation du pruneau, une méthode depuis déclinée sur d'autres fruits. Elle propose une large gamme avec un positionnement haut de gamme destiné à des professionnels des métiers de bouche, mais aussi à des industriels de la transformation. L'entreprise dirigée par Michael Bess, co-dirigeant de l'entreprise avec Emeric Adalen, fait aussi de la découpe de fruits. Les fruits séchés réhydratés ont une vraie valeur ajoutée pour être inclus dans tout type de produits de l'industrie agroalimentaire. Les Vergers des Scouts, c'est une belle histoire depuis 5 générations de la famille Vergne, producteur et transformateur de pruneaux, de tous les fruits moelleux, abricots, figues, mais aussi amandes. Dans sa fabrique de Sainte-Livrade-sur-Lot, on retrouve également de la confiserie, de la chocolaterie et toute une sélection de produits secs et graines. Elle s'associe avec d'autres producteurs pour structurer les filières. Pruneaux 100% sud-ouest, amandes, mais aussi tournesol et maïs grillé ou encore arachides. Issu d'une longue histoire de famille, BioloCloc, c'est l'aventure d'agriculteurs qui transformaient le pruneau et la betterave rouge. Depuis 1995, David Klockenbring a repris seul la partie transformation de fruits, confitures, fruits séchés sans additifs, acidifiants ou pectines. En 2011, il va plus loin et reprend aussi l'exploitation avec une vision durable. Tout est fait en petite quantité à l'ancienne et dans les petits chaudrons. BioloCloc produit 30 de parfums de confitures, fait des conditionnements pour les transformateurs ou la restauration collective, mais aussi les magasins bio et va bientôt sortir une pâte à tartiner. Des vergers qui nourrissent de beaux projets sur le territoire, le transformateur de fruits français bio, BioloCloc ou encore Frigourmet. Vous applaudissez tous les 3, s'il vous plaît.
parce qu'il mérite véritablement un coup de chapeau et un coup de projecteur, même si un seul va nous rejoindre maintenant sur scène, je vous en prie. Le gagnant dans cette catégorie, le lauréat est... Alors, le gagnant dans cette catégorie est BioLoCloc. BioLoCloc à Montfezat, le transformateur de fruits français bio en agroécologie et permaculture. Alors, vous voyez à l'image Manuel Lardeux, qui en est le responsable commercial. Malheureusement, enfin, il devait nous rejoindre ici sur scène. Il était là, d'ailleurs, au début de cette cérémonie. Il y a un appel urgent familial. Il l'a obligé à nous quitter plutôt que prévu ce soir. Rien de grave, mais autant être auprès de sa famille. Lorsque, malheureusement, certains résultats arrivent sur votre téléphone portable. Donc, encore une fois, il était tout à fait logique qu'il nous quitte prématurément. Vous remettrez ce trophée, vous allez montrer la proximité en action, là, s'il vous plaît, messieurs. Exactement, c'est-à-dire qu'on va le ramener à l'agence d'Agen, où on fera une remise avec nos partenaires de la Dépêche et de l'agence auprès de ce monsieur. Absolument, en tout cas, félicitations à lui, félicitations aux 10 personnes qui sont également au cœur de cette entreprise. On trois d'ailleurs sur l'exploitation. BioLoCloc produit une trentaine de parfums de confiture, fait des conditionnements pour les transformateurs ou la restauration collective, mais aussi, évidemment, les magasins bio spécialisés avec une part de marché de plus en plus importante dans ce domaine. 10 à 15 fruits séchés sont travaillés par toute l'équipe. Alors, il y a le vrac, il y a le snacking qui connaît une explosion d'ailleurs ces derniers temps, mais également les fruits au sirop avec 7 ou 8 parfums différents. Il y aura d'ailleurs un tout nouveau produit qui va sortir dans quelques temps. C'est un produit pâte à tartiner qui devrait faire fureur. En tout cas, vous applaudissez très fort, s'il vous plaît. BioLoCloc, lauréat de cette catégorie agroalimentaire. Et merci à Groupama de nous avoir accompagnés pour les saluer ce soir. Prochaine catégorie, c'est le prix entrepreneur. Le prix entrepreneur pour chaque septuor récompense des hommes, des femmes qui osent, qui ont l'audace d'entreprendre. C'est cet élan de l'entrepreneuriat qui est souligné au travers de ce trophée parrainé par Serre France. François Arberet, le responsable du développement et du conseil à Serre France, nous rejoint ici même alors qu'on découvre en quelques images ce qu'est Serre France. Regardez. Serre France, c'est une communauté d'entrepreneurs gagnants. Claire a toujours rêvé d'être fleuriste. Grâce à son conseiller Serre France, qui l'a aidé à faire son business plan et à choisir son statut, elle a pu ouvrir sa boutique. Clément, lui, s'est lancé dans un nouveau projet de méthanisation. Grâce au conseil d'un spécialiste énergie et à l'intervention d'un juriste, le nouveau projet de Clément est suivi à chaque étape. Quant à Sonia, elle est débordée par sa paperasse. Depuis qu'elle utilise Serre France Connect, qui regroupe son espace client, son coffre-fort numérique et ses services en ligne, elle a réussi à moderniser sa gestion. Sonia a maintenant plus de temps pour s'impliquer dans son métier. Depuis un moment, Gérard souhaite trouver un associé et développer son activité avec l'acquisition de nouveaux matériels. Avec Serre France Avantage et sa communauté de 320 000 entrepreneurs, il a pu agrandir son réseau professionnel. Il bénéficie de réductions exclusives dans une centrale d'achat. Il dispose même d'un CE pour ses salariés et apprentis. Chez Serre France, tous les clients sont adhérents et chacun peut participer aux décisions. Certains décident d'aller plus loin, comme Christophe. Parce qu'il croit dans les valeurs mutualistes, il est élu président et s'investit dans l'avenir de Serre France. Depuis 60 ans, avec ses agences de proximité partout en France, Serre France est le partenaire privilégié de la performance des chefs d'entreprise. Serre France, entreprendre ensemble. Serre France, qui a beaucoup évolué au fil de ces années, comme l'ensemble d'ailleurs de la profession, on voit bien qu'aujourd'hui, le mot-clé dans votre secteur d'activité, vous l'avez beaucoup développé chez Serre France, c'est l'anticipation. On est loin de l'image épinal, du bilan, de l'aspect finalement comptable. On est bien dans l'anticipation, le conseil, c'est plus que jamais indispensable. Mais c'est de plus en plus indispensable aujourd'hui. On est encore en Covid, malheureusement, et on voit bien qu'il faut de plus en plus s'adapter au jour le jour aux différentes évolutions et dans l'accompagnement des entreprises, soit à développer des activités, soit à créer de nouvelles activités qui n'existent pas hier.
et avec un besoin de conseils à la fois sur les aides, les dispositifs, j'imagine, mais également sur le social. Qu'est-ce qui aujourd'hui est le secteur dans lequel vous sentez que les chefs d'entreprise, TPE, PME, mais également les grands groupes, puisque vous avez l'ensemble des clients hein, finalement chez vous, dans quel secteur vous avez l'impression qu'ils ont le plus besoin d'appui et d'accompagnement aujourd'hui ? Beaucoup sur le social en fait, et aussi sur l'accompagnement au développement, les business plans, les suivis de tableaux de bord, puisqu'on voit que les évolutions de marché changent du tout au tout, donc il faut suivre au plus près. Sur ces secteurs-là, c'est effectivement beaucoup de demandes. L'Erac, Sainte-Colombe et Agen sont en compétition dans cette catégorie au travers des trois entrepreneurs que voici. Créé en 1985 par Claude Chabrier, le grand-père de Thomas Guillou, le directeur général de l'entreprise, Chabrier Isolation s'est développé autour de l'isolation frigorifique industrielle. Ses panneaux isothermes s'intègrent dans de nombreux métiers et applications. Basé depuis toujours sur l'Agenais, Agen, puis Bonencontre, et récemment à Sainte-Colombe en Brioua, depuis l'implantation de son siège sur la Technopole, Chabrier Isolation fait partie du SNI, Syndicat National de l'Isolation, et en est même l'un des fondateurs. Créé en 2018 et présidé par Cédric Slowensky, EFS Solutions est un cabinet d'ingénierie et de management de projets spécialisés dans les lots architecturaux du bâtiment, enveloppe, façade et serrurerie. Doté d'une partie bureau d'études et d'une autre dédiée au pilotage de travaux, l'entreprise EFS s'occupe de tous les travaux jusqu'à la réception du bâtiment. De nouvelles activités voient le jour avec EFS Projet, entreprise d'exécution de réalisation de travaux. Il y a aussi EFS Installation et Maintenance pour le suivi de ses ouvrages et bientôt une entreprise de fabrication de menuiserie extérieure en aluminium à Bonencontre. Entreprise de peinture depuis 1987 à l'Erac, créée par Frédéric Lorenzo, le père. L'entreprise Lorenzo s'est développée au fil du temps avec la demande actuelle sur du revêtement souple, mais aussi du carrelage et du placo dans le Lot-et-Garonne et dans le Grand Sud-Ouest. Entreprise prestataire pour diverses compagnies d'assurance, des experts sur les sinistres incendies et sécheresses, l'État, mais aussi le particulier. Pour aller plus loin, Corinne Lorenzo, décoratrice d'intérieur, met toute son expérience au profit des clients de l'entreprise pour les aider dans leur choix. Lorenzo Mur et Sol, Chabri Isolation et EFS Solutions, vous les applaudissez tous les trois, s'il vous plaît. Ce sont les trois nommés de cette catégorie. Un seul lauréat va nous rejoindre sur scène, c'est la règle du jeu ce soir. Donc le lauréat est EFS Solutions. EFS Solutions, et c'est Cédric Slowensky qui nous rejoint sur scène, le spécialiste du management de projet qui multiplie ses applications et pas que. Il va nous en dire plus dans quelques instants. On a bien entendu au travers du rapide sujet tout à l'heure que l'entreprise avait grossi au point de devenir une véritable holding depuis avril 2020 avec l'ensemble des activités que vous recoupez aujourd'hui. Bienvenue sur scène. Cette façon finalement d'aller chercher les marchés, d'aller apporter des spécialisations sur l'ensemble de vos plaques et de vos secteurs d'activité, c'est la clé de la réussite ? Je pense que c'est la clé de la réussite aujourd'hui, effectivement. Il faut apprendre à se diversifier, à s'adapter. Et diversifier en n'étant pas finalement généraliste, mais multispécialiste. Mais multispécialiste en proposant du coup une société, une solution, une entité à chaque besoin, à chaque cible. Je crois que les entités, d'ailleurs, qui ont grossi donc au fil des ans, vont bientôt déménager. C'est ça. Donc on va bientôt déménager pour prendre les locaux, les anciens locaux d'Annominet, donc de Chabrier Isolation. Ah oui, très bien, voilà. Très bien. On fait un petit... C'est ça l'économie circulaire aussi, vous avez raison. C'est ça, donc on est vraiment dans le local. Vous avez combien de personnes aujourd'hui sur l'ensemble des structures ? Alors aujourd'hui, sur toute entreprise confondue, on est à peu près à 15 salariés, ça change en ce moment, effectivement, donc avec le démarrage d'une nouvelle activité qui est la fabrication de menuiseries aluminium. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut être le trait commun quelque part hein, de ces métiers et de ces spécialistes ? Il y a en termes de trait commun une écoute, le conseil, l'accompagnement, la capacité quelque part à côté d'une question apporter pas simplement la réponse à la question mais finalement une vision, une solution d'ensemble. Je crois que vous avez à peu près tout dit et le retrait d'union c'est la technique. La technique. Donc on est des techniciens passionnés par leur métier. Les services qu'on rend par nos ouvrages, effectivement, puisque c'est quand même d'utilité. Et
Donc le maître mot, effectivement, c'est la maîtrise, c'est la technique, c'est assurer et garantir les performances d'un ouvrage, assurer sa pérennité. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes aujourd'hui confrontés, les principales demandes que vous ressentez sur le terrain, ce sur quoi il faut apporter peut-être encore plus attention aujourd'hui que par le passé? Compliqué pour nous de répondre à votre question, puisqu'on a diverses sociétés, donc on répond à peu près à tous les besoins. Donc aujourd'hui, donner des besoins ou exprimer... Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux au travers de l'environnement, au travers... C'est les enjeux environnementaux, bien évidemment. Donc, essayer de construire un petit peu plus intelligemment, un petit peu plus performant au niveau de l'ouvrage. Il ne faut pas oublier toute la rénovation du parc aussi actuel, qui est... C'est surtout là-dessus, d'ailleurs, qu'il faudrait... Qui est un énorme enjeu, hein, qui est évidemment un énorme enjeu. C'est surtout ici où il y a l'enjeu. Donc, on est dans cette démarche, et l'idée, c'est d'apporter vraiment une solution adaptée tous les projets, à tous les clients, par un ouvrage commun ou spécifique, mais en tout cas maîtrisé dans son ensemble. Et dernière question, vos clients, en termes de périmètre, de géographie, ils sont situés où? Alors, au niveau de notre rayon d'action, on a un rayon d'action plutôt national. Donc, effectivement, on a une activité locale que je souhaiterais qu'on développe un petit peu plus, bien évidemment, puisque il faut se faire connaître. Il y a une activité qui est un peu plus régionale. Et après, on a des axes sur toutes les grandes métropoles, puisqu'on essaye d'être sur des projets de grande envergure, ou au moins de moyenne, pour pouvoir nous permettre d'y apporter notre valeur ajoutée. Et donc également l'Île-de-France, qui fait partie effectivement des zones géographiques sur lesquelles on se déplace et on essaye de réaliser au mieux les missions qui nous sont confiées. Je vous félicite en tout cas, et vous allez être récompensé par le partenaire qui va se saisir d'un trophée. Vous allez venir au centre de la scène et recevoir les applaudissements qui vont évidemment avec ce trophée. Bravo et félicitations à vous. EFS Solutions, leader sur son secteur et en tout cas lauréat de cette catégorie. Un grand merci à Serre France de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la salle et nous découvrons à l'image le prochain trophée et la prochaine catégorie de la soirée. Regardez. Innovation qui sera remis, et c'est tout à fait symboliquement intéressant, par le président du MEDEF GPI du Lot-et-Garonne. Vous applaudissez Jean-Luc Guéry qui nous rejoint ici même. Venez, monsieur le président. Merci d'être là, fidèle, ai-je envie de dire, fidèle au poste. Merci. Un mot peut-être sur votre vision de l'état de santé, mais également de l'état de motivation, de l'état d'engagement des chefs d'entreprise, des entrepreneurs que vous fédérez, que vous représentez? L'état de santé, je n'ai rien sur mon appli, donc je ne peux pas vous répondre. Mais sur la motivation... L'état de santé des entreprises et l'état d'esprit des entrepreneurs. Non, l'état de santé, globalement, aujourd'hui, l'industrie de Lot-et-Garonne va plutôt bien. On voit tous les prix remis aujourd'hui, le symbole est assez fort. Quelques soucis, mais je ne vais rien inventer autour des matières premières. Autour de l'attractivité de nos métiers, que ce soit dans l'industrie, dans l'artisanat, où là, je pense qu'on a globalement un gros travail à faire ensemble. Mais non, l'industrie de Lot-et-Garonne se porte bien, oui. L'économie de Lot-et-Garonne se porte bien. Alors, vous avez ce soir, en effet, nous avons ce soir à découvrir des secteurs d'activité très différents. Tous, évidemment, ne sont pas logés à la même enseigne. Hein, lorsque l'on parle à la fois de développement ou lorsqu'on parle de perspective, cependant, le capital humain, toutes les questions liées au recrutement, liées à la capacité d'attirer les talents, de générer des nouveaux collaborateurs ou collaboratrices de demain, c'est un enjeu que l'on retrouve au cœur de chacun des secteurs d'activité du département. C'est un enjeu majeur. Alors, je ne vais pas parler de l'hôtellerie-restauration, qui est un vrai sujet, mais je pense que globalement, on a réinventé le lien social dans nos entreprises. On a réinventé le sens que l'on peut donner au travail, c'est un grand mot, mais à la vie au sein de nos entreprises, si on veut attirer cette fameuse génération Z dont tout le monde parle, et c'est pas eux qui changeront, c'est nous qui devons changer. Donc on a un vrai enjeu pour d'attirer l'attractivité des métiers. Parce qu'on parle d'innovation ce soir, l'innovation, souvent lorsqu'on la met en avant, on pense à la partie technique, on a pensé par la suite à toute une partie liée au marketing ou autre. Aujourd'hui, l'innovation, on peut dire qu'elle est aussi dans le côté managérial, qu'elle est aussi dans le côté gestion des ressources humaines.
Elle est dans le côté managérial, sociétal. J'ai eu l'occasion de m'exprimer récemment dans vos colonnes sur l'aspect social et solidaire des entreprises. On a, je pense, tous un vrai jeu. La responsabilité sociétale des entreprises, ça dépasse largement l'environnement, mais c'est aussi notre comportement. Et dans ce domaine-là, la partie innovation, capacité, quelque part, parfois avec des petites choses comme des grandes actions, mérite allez, une attention particulière, mérite un élan particulier. Bien sûr, demander à Mathieu, hein, il a démarré il y a 7 ans en incubation à l'Agropole, si je ne dis pas de bêtises, et regardez où il est aujourd'hui, bien sûr. Et il faut que nous, MEDEF, mais globalement la CCI, le département, on accompagne tous ces projets. On ne doit pas les laisser partir. Ils innovent au quotidien, ils sont ce soir nommés dans cette catégorie portrait. Créée il y a 2 ans à Nérac, la distillerie du Grand Nez est l'une des premières distilleries hors Armagnac à se spécialiser sur le gin. Anne-Hélène Vialanex, la cofondatrice de la distillerie aux côtés d'Éric Lugas, a décidé avec le lycée agricole de Nérac de lancer la première plantation de genévriers bio afin de développer une nouvelle filière de niche pour les distilleries et l'industrie pharmaceutique pour répondre à une vraie demande en France. Elle est hébergée au sein de la pépinière d'entreprise Agrinov de Nérac, mais a l'objectif d'acquérir son propre outil de production. Oviatis, dirigée par Philippe Boutier avec Amandine Nigro, est la seule entreprise en France à produire de la stevia en agriculture biologique. Ce produit, qui est 30 fois plus sucrant que la saccharose avec un indice glycémique nul, est totalement approprié pour les diabétiques. La stevia a aussi des applications cosmétiques et c'est un fort antioxydant. Aujourd'hui, 15 agriculteurs contribuent à sa culture. Oviatis a également lancé une gamme de tisanes bio en e-commerce, en grande distribution et le réseau bio dont Biocop. Entreprise présidée par Cyril Rouffet, née en janvier 2020, Gilles Food propose des produits sains et bio pour l'apéritif pour les enfants et les parents, sans que ce soit trop gras et trop salé. De cette structure est née une gamme de chips Paps, avec particularité d'être une chips de légumes, avec un Nutri-Score A, obtenu par une purée de légumes complétée avec de la farine de riz complet. Ces productions prennent ensuite la route de la grande distribution pour être disponibles essentiellement dans le Grand Sud-Ouest. Des projets sont attendus en 2022 avec le déménagement dans des locaux plus grands. Oviatis et Paps pour Estillac, la distillerie du Grand Est pour Nérac. Vous applaudissez, s'il vous plaît. C'est 3 nommés dans cette catégorie. Monsieur le Président, un seul lauréat. Mais ça montre bien au travers de ces portraits, l'innovation est partout, dans tous les domaines. Donc, le lauréat, le gagnant est Paps. Paps qui nous rejoint ici même, la chips du Lot-et-Garonne, bonne pour la santé. Mise à l'honneur ce soir, Cyril Rouffet, le président fondateur de cette entreprise, va nous rejoindre. C'est en janvier 2020, que l'aventure a commencé pour vous. Il y a aujourd'hui combien de collaborateurs qui vous entourent, Cyril ? Aujourd'hui, 4. Et je suis ravi d'être là avec Cécile et Lucie, dont j'ai 2 de mes collaboratrices qui sont avec moi ce soir. 3/4, c'est pas mal. Ouais. 75% de participation de l'entreprise ce soir, c'est joli. Mal, hein, c'est vraiment joli. Cyril Rouffet, ben oui. Ça montre que toutes les tailles d'entreprise sont ce soir mises à l'honneur, les plus grandes comme les plus petites, avec une capacité de création qui, dans votre domaine d'activité, est tout à fait remarquable, parce que finalement, votre gamme de chips, elle est sans équivalent sur le marché. Oui, tout à fait. Vous avez tout résumé. En fait, on a développé donc une gamme de chips qui est un hybride entre plusieurs procédés de fabrication. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à la société Lexem, qui a été lauréate, qui a développé le procédé de fabrication avec moi depuis 2 ans. Donc, je les salue. Et donc, on a un produit qui est un hybride, comme je disais, entre une chips de légumes et un crackers. Et cet hybride permet donc d'obtenir des caractéristiques sans équivalent sur le marché, puisqu'on est sur un produit qu'on peut consommer sans modération, puisqu'il est sain, il est nutritionnellement très équilibré. Et en plus, on a été jusqu'au bout de la démarche en essayant de faire un produit et en faisant un produit qui est 100% bio et 100% bio français. C'est fabriqué entièrement à Agen, au cœur de l'Agropole. Exactement, oui. On sort de l'atelier justement avec mes collaboratrices. On a produit aujourd'hui au sein de l'Agropole, dont on est dans pépinière depuis 2 ans. Et alors, vous produisez combien de sachets quotidiennement? Ou alors, je ne sais pas si on peut compter quotidiennement ou si hebdomadairement. Aujourd'hui, on fait à peu près 200 à 300 paquets de chips par jour. Ah oui. Voilà, parce qu'on a du matériel qu'on a développé, donc encore une fois, avec la société LXM qui nous permet d'avoir cette capacité-là. On a pas mal d'ambition pour l'année prochaine et on va investir sur du matériel qui va nous permettre de multiplier par quasiment 10 notre capacité de production. Et alors, ces chips, on les trouve où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, essentiellement, comme vous l'avez dit dans la présentation, dans le Sud-Ouest.
en grande distribution et aussi en circuit spécialisé, donc sur le sud-ouest et même aussi un peu partout en France. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, un peu partout en France, parce que vous avez agrandi votre périmètre, je crois, de distribution. Vous l'agrandissez petit à petit. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, on utilise aussi la force d'Internet. On ouais. travaille beaucoup avec des marketplaces et des systèmes de distribution. Et donc aujourd'hui, on est présent sur le sud-ouest, mais ouais, un peu partout en France. Ouais. De quelle façon vous voyez évoluer l'entreprise dans les prochaines années? Là, vous êtes quatre, vous êtes au cœur de l'agropole. Alors, certes, le nombre de paquets, ça fait quoi? Ça fait donc 3, ça fait 1500 paquets par semaine, hein, c'est ça, de chips. Ouais. Nous, on se revoit, imaginons, dans 5 ans, ici. Vous imaginez être où en matière de production, produire vers qui? Et de quelle façon vous aimeriez qu'on parle de vos chips? Alors, en tout cas, j'aimerais qu'on continue de parler de nos chips comme les chips les plus saines du marché. Et les chips, c'est vraiment qui répondent aux attentes des parents et des enfants qui vont jusqu'au bout, en fait, de la démarche. Puisqu'aujourd'hui, voilà, la création de l'entreprise, elle est venue de ce constat-là, qui avait, à mon sens, voilà, pas de produits apéritifs sains qui répondaient à l'ensemble des attentes des consommateurs. Physiquement, ben, je me vois encore dans le Lot-et-Garonne, je l'espère, puisqu'on va déménager toujours au sein de l'agropole dans un local plus grand, qui devrait nous permettre d'accompagner notre croissance. Et bien, j'espère qu'on va continuer à grandir, mais on est sur un marché qui est porteur, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc on a de très belles perspectives, comme je vous l'ai dit. On espère déjà multiplier quasiment par 10 notre production l'année prochaine. Aïe. Donc intégrer de nouvelles personnes, investir dans du matériel. Et donc on a aussi de grosses demandes à l'export. Donc on a beaucoup de choses à faire. Donc j'espère que tout va continuer et qu'on va sortir un peu de ce marasme économique et qu'on va pouvoir tous avancer et développer nos entreprises. Il y a eu un effet confinement sur la consommation des chips issus de vos ateliers? Alors, confinement, un effet Covid, on va dire, sur le démarrage de ma société, puisque j'ai commencé à commercialiser 2 semaines avant le confinement. Ah oui. Voilà, donc j'ai eu le nez creux. Donc, en fait, j'ai été reçu par les grandes distributions de manière assez négative en mars 2020, puisqu'ils voulaient juste des pâtes et du papier toilette. Et c'était pas ma cam. Donc voilà, donc ça a été un peu compliqué. Donc effet confinement, en tout cas sur 2021, oui, en tout cas il y a un retour, je pense, plus sur le côté, on va dire, local, plus que sur les chiffres de manière générale. On a l'impression qu'il y a quand même un retour sur les gens ont envie de savoir ce qu'ils achètent, ce qu'ils mangent. Et c'est vrai qu'en local, on a un accueil assez positif des magasins et des consommateurs. Oui, tout à fait. Ma dernière question la plus importante, vous avez venu ma vie? Oui. Voilà, vous avez et vous pensez vraiment que vous allez avoir un trophée? Je l'espère. Bien, vous avez raison. On va vous applaudir très fort. Merci. Félicitations. Prenez, s'il vous plaît, ce trophée. Des propos et des images quasi insoutenables à cette heure-ci. Vous voyez, quasi insoutenables. Allez, avancez-vous, je vous en prie. Monsieur le Président, avancez-vous également et le lauréat pour la photo et les applaudissements qui vont de pair. Merci beaucoup et bravo, félicitations. Prochaine Merci. Catégorie, le commerce, l'artisanat et le lien avec les territoires. Jingle. Et pour parler commerce, artisanat et territoire, c'est l'Union des commerçants et artisans de la Genée qui va nous rejoindre. Vous applaudissez Bruno Cassé, son président, s'il vous plaît. Venez. Venez, venez, venez. Bonsoir. Alors, mon cher Bruno, vous allez avoir un PowerPoint qui va apparaître dans quelques instants pour parler de Prunéo. Mais si j'ai bien compris, vous avez déjà envoyé un ambassadeur pour commencer à évoquer le sujet. Ça ne m'étonne pas de vous. Alors, non, effectivement, il m'a surpris parce que ce n'était pas du tout prévu. Non, donc, pas du tout. Mais on va se faire des petits clins d'œil parce que j'en ai même pour lui ce soir, tout à l'heure. Ah, très bien. Alors, commençons, s'il vous plaît, par le commencement. Un contexte qui est assez différent de la dernière fois où l'on s'est vu croiser sur un plateau en format extrêmement réduit, en distanciel. Comment ça va un an après? Écoute, un an après, c'est la période où tout le monde la connaît, c'est difficile. Et nous, c'est vrai qu'on est partenaire des Septuor depuis quelques années pour promouvoir ce chèque Prunéo qui a du mal à décoller par rapport aux entreprises qui écoutent et d'autres qui écoutent un peu moins. Donc il y a les bons élèves, les mauvais élèves. Je peux me comparer à un demi de mêlée qui envoie la balle. Et il y en a qui la rattrape du premier coup, style Ntamak, et d'autres qui la font tomber. Donc on est là pour enfoncer le clou ce soir. Alors on va le faire. Vous avez un PowerPoint qui va apparaître juste à côté de l'image pour rappeler un petit peu les sachez atouts. Sachez quand même qu'on travaille un petit peu pour vous aussi, on défend vos intérêts. Et vous êtes là pour soutenir les commerçants du centre-ville.
Le message est clair, en tout cas. Je vous reconnais bien là, Bruno. Ces chefs d'entreprise, vous souhaitez qu'ils soutiennent donc les commerces en centre-ville. Oui, voilà, ils soutiennent les commerces en centre-ville. Donc, ils optent pour l'achat de chèques Pruneo, pour les fêtes de fin d'année et pour d'autres occasions, hein, parce qu'il n'y a pas que les fêtes de fin d'année. Donc, ça offre à vos collaborateurs de la dynamique et du pouvoir d'achat. Et cette année, sachez que le pouvoir d'achat est augmenté de 80 euros par rapport à l'année dernière, exceptionnellement cette année, puisque c'est passé à 250 euros, comme l'a expliqué Jean-Marie vite fait tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ont acheté déjà les chèques cadeaux, on va dire, autres que Pruneo, sachez que vous avez un petit pouvoir d'achat supplémentaire pour les donner à Pruneo. C'est clair. Ça permet de valoriser évidemment les collaborateurs, de diminuer les charges sociales, d'accompagner au CSE. Soutenir le commerce en centre-ville, c'est le plus important, et valoriser la consommation locale, tout à fait. Parce que là c'est obligé que le centre-ville a besoin de vous pour se développer. On est un centre-ville qui est assez dynamique par rapport à d'autres qui se meurent ou qui sont en difficulté. Il y avait un renouvellement, hein, certains des valeurs sûres, et puis un renouvellement des acteurs. Oui, tout à fait. Oui. Ça, comme d'habitude, il y a des commerces qui ouvrent, qui ferment. C'est ça le commerce, hein. Exactement. C'est ça le commerce, absolument. Librairie, alimentation, services électroménagers, bijouterie. Alors ça, c'est pour les 120 commerces où vous pouvez dépenser les chèques cadeaux. Aujourd'hui, une personne qui a un chèque Pruneo en sa poche peut largement le dépenser. Il trouvera son bonheur en centre-ville, dans tout secteur d'activité. Donc, et ce soir, vous avez pu voir que vous pouvez faire gagner à votre entreprise 500 euros. Alors comment faire ? pas pour le patron, bien sûr, pour les employés. Il suffit de remplir le bulletin qui vous a été remis donc, par l'équipe GACO. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, c'est tout à l'heure, là, les petits jeunes qui sont avec nous. Ils travaillent pour un projet tutoré et ils vont être notés là-dessus courant de l'année. Donc réserve-leur le meilleur accueil en redonnant un petit peu les bulletins remplis, avec un petit peu comme le Téléthon, qui est d'actualité aussi, puisque en fin de la semaine, il y a beaucoup de gens qui vont faire des promesses d'achat. Donc, vous avez vu qu'il y a une petite case sur le papier où vous pouvez faire vos promesses d'achat. Donc, ils ont un objectif de chiffre d'affaires à faire. Et les chiffres, on va en parler un petit peu. Alors, chaque année, je vous dis, on n'en parle pas. Mais là, je vais quand même mettre le point dessus. Sur les chiffres d'affaires, regardez aujourd'hui ce que représente les chèques Pruneo. Là, c'est 1,3 milliard d'achats en France. D'accord. Pour l'agglo d'Agen, vous avez vu, c'est 2 millions d'euros. Donc, moi, je me suis amusé un petit peu à calculer un petit peu. Quand je vois les entreprises qui sont dans la salle, j'ai les yeux qui brillent parce qu'on a un potentiel d'achat de 342 000 euros à peu près dans la salle. Et ça, c'était sur un calcul de 171 euros. Alors, on est passé à 250. Je vous laisse faire l'opération pour ceux qui sont matheux et qui calculent vite. Donc, c'est cumulable avec plusieurs opérations, comme vous pouvez le voir, avec les fêtes de fin d'année et tout ça. Enfin bon, je ne sais pas si le message passe bien. Chaque année, il a l'air de passer un petit peu parce qu'il y a des entreprises qui adhèrent et d'autres moins. Donc là, je comprends pas. Par contre, on met ce qu'il faut quand même ce soir pour que ça réussisse. Voilà. Ouais. Alors, j'avais pas vu que d'ailleurs c'est cumulable avec la naissance ou l'adoption, mais également à la Sainte-Catherine. Oui. Ça, je m'en doutais pas. Voilà. Et puis, la rentrée scolaire, tout en avant, jusqu'à 25 ans pour les enfants. Exactement. Donc, vous avez de quoi quand même acheter chaque Pruneo tout au long de l'année. Effectivement. Vous voulez rajouter un mot, Bruno ? Oui, je voudrais finir sur deux phrases. Donc une célèbre, citée par Molière, et là, elle est d'actualité ce soir, parce que vraiment, si le message n'est pas passé, je ne comprends plus rien. Donc Molière a dit « Nul n'est plus sourd que celui-là qui ne veut plus entendre ». Donc ça, c'est réglé. Si vous n'avez pas entendu ce soir le message, c'est que vraiment, je ne sais pas comment il faut faire. Et la deuxième, qui est célèbre, qui n'est pas célèbre, mais qui le sera peut-être un jour, parce que vous serez peut-être amené à répondre à vos employés ça, pour ne pas le citer, c'est Jean-Marie Thauveau qui me l'a soufflé il y a 2-3 ans quand on était dans la cave à vin. Rappelle-toi, Jean-Marie, on a parlé. Vos employés vont vous dire certainement « Ah oui, moi, le chèque cadeau, je ne vais pas en ville, je ne peux pas le dépenser en ville. » Eh bien, Jean-Marie disait « Moi, je veux que tu ailles en centre-ville, donc tu vas aller dépenser ton chèque Pruneo en centre-ville. » Voilà. Le message est clair. Je vous félicite en tout cas pour la façon dont vous continuez à le diffuser au nom de l'ensemble des commerces de centre-ville d'Agen que vous représentez ce soir. 3 nommés dans cette catégorie, tous ne sont pas au centre-ville d'Agen, bien au contraire, mais tous méritent en tout cas le coup de chapeau que voici. Par contre, s'ils ont des employés, ils peuvent le dépenser. Oui, j'ai bien compris. Laissez la présentation. Profil Web est une entreprise à Genève qui évolue depuis 20 ans au service des entreprises locales et nationales. Créée par Delphine et Olivier Delbos, à peine d'Agenais, Profil Web est une agence web qui a beaucoup évolué, de la création de sites internet à la communication, passant par l'animation des réseaux sociaux ou la création d'applications.
Leur spécialité, c'est d'avoir opté pour du sur-mesure avec des sites internet singuliers, des solutions digitales uniques et des logiciels ERP spécifiques tout en travaillant sur des projets de qualité en local sans commerciaux dans l'équipe. Boutique conçue par Viviane Martinet à Castillonnès, Comptoir 4 est un espace chaleureux qui met en avant les petits producteurs du Lot-et-Garonne, mais aussi de Dordogne, fruits, légumes, noix, canards, vins. En mettant en valeur les produits de la région dans une épicerie fine appréciée de tous, Comptoir 4 a aussi décidé de soigner sa décoration dans un cadre singulier, une ancienne usine. Comptoir 4, c'est à présent un site internet marchand où les clients peuvent passer commande sur le type Pick and Collect. Depuis 2008, Carole Villegas anime à Saint-Sylvestre-sur-Lot le Bruit qui court, un commerce singulier autour du meuble et de la petite décoration qui fait également salon de thé. Tel un concept store, elle s'ouvre aux vêtements avec une collection de prêt-à-porter sélectionnée par la gérante. Le Bruit qui court a profité du confinement et de l'accompagnement de la CCI pour développer un site e-commerce. Toujours à l'affût des dernières tendances, la boutique dévoile à présent ses coups de cœur sur la toile. Vous applaudissez Profil Web, Comptoir 4 et Le Bruit qui court, s'il vous plaît. Bruno, je vous en prie, le lauréat de cette catégorie. Comptoir 4. Comptoir 4, le lauréat, Comptoir 4. Viviane Martinet va nous rejoindre. Elle qui a conçu cette boutique de 120 mètres carrés, qui est un espace chaleureux, qui met en avant les petits producteurs du Lot-et-Garonne, mais également de la Dordogne, cela a été rappelé. Venez me rejoindre ici même, Viviane. Vous êtes en quelque sorte l'exemple même qu'il peut y avoir tous les atouts, la chaleur, la qualité du commerce de proximité avec le sourire, le conseil, la qualité dans la façon de sélectionner les produits et puis l'efficacité du web. C'est donc pas incompatible. Il faut que vous regardiez la salle. Regardez. Hop, prenez le micro bien près de vous. Allez-y. Voilà. Encore plus près de vous. Oui. Merci. C'était un projet qui me tenait à cœur. J'avais envie de créer quelque chose par moi-même. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une boutique de producteurs, étant productrice moi-même avec mon époux. On faisait du canard gras, de la noisette. Donc voilà, j'ai entrepris ça et je suis ravie. Et donc, la boutique et Internet, je reviens là-dessus, c'était un complément pour vous tout à fait naturel, finalement? Internet, c'est tout nouveau. C'est sorti il y a 3 semaines. Donc là, ça démarre pas encore. Je suis très très mauvaise en communication, donc voilà. Bon, j'attends. Ça va se faire par la recommandation, par les bouche à oreille, par des achats ciblés. Je vois déjà l'équipe de l'agence qui va venir vous voir. D'ailleurs, vous allez mine de rien conquérir peut-être de nouveaux publics. Et grossir, c'est ceux qui sont déjà sous le charme, et j'emploie ce mot avec plaisir, et à bon escient, sous le charme de la visite de la boutique, parce qu'il y a un côté extrêmement cocooning, mais un côté déco que vous souhaitez mettre également en avant. Voilà. C'est pour vous indispensable pour valoriser le travail des producteurs, le travail de ceux que vous mettez en avant. Voilà, je ne voulais pas quelque chose de standard. J'avais envie quelque chose qui me ressemble, qui était chaleureux, les gens... à la limite, qui rentrait par hasard, reviendrait par envie avec des produits toujours nouveaux. Voilà. Et le fait d'être dans une ancienne usine, devenue friche, c'est venu comment? Alors là, c'est un chocolatier, le chocolatier de Castillonnès, qui a acheté cette ancienne usine. Et on se connaissait assez bien et je lui ai dit, bon, tu achètes, tu fais des locaux, moi le local, je t'en loue un, je fais une belle boutique et voilà, c'est venu comme ça. Pourquoi Comptoir 4? Alors Comptoir 4, parce qu'au départ, c'est venu comme ça, c'est un projet qui m'est venu comme ça. Oui, et pourquoi pas Comptoir 5? Parce qu'on est 4. Ah ben voilà. En famille, voilà. Et entre mon époux, mon fils, ma fille, qui m'ont beaucoup soutenue, qui n'ont jamais dit « Maman, fais pas ci, t'es trop vieille » ou « N'importe ». Ils ont été là et c'était bien. C'est donc quelque part une récompense familiale ce soir? Voilà. Ça tombe bien parce que c'est quelqu'un qui représente une autre famille de commerçants qui va vous la remettre sous des applaudissements. Merci. Bien mérités, s'il vous plaît. Bravo et félicitations. Approchez-vous félicitations, tous les deux. Merci. Bravo et félicitations à vous, merci beaucoup. Voilà un beau visage du commerce de ce territoire mis en avant ce soir avec le commerce d'Agen et puis
d'autres commerces qui se développent dans ce qui, dans ce qui n'est pas du tout un centre-ville et qui montrent à quel point la passion du commerce peut quelque part grandir partout. Bravo et félicitations. Bravo à vous. Voici maintenant le prochain trophée, c'est le coup de cœur. Agen Agglo Jingle. Coup de cœur qui sera remis par le vice-président en charge du développement économique à l'agglomération. Vous applaudissez Olivier Grimat qui nous rejoint. Pardon, qu'on découvre en image l'impact de l'agglomération à Jinglo. Regardez. L'agglomération d'Agen crée les conditions optimales pour accueillir de nouvelles entreprises sur son territoire ou permettre le développement de celles qui sont déjà présentes en proposant du foncier attractif, connecté à des infrastructures de qualité, mais aussi des solutions immobilières lorsque c'est nécessaire grâce à un travail de veille active sur tous les bâtiments industriels ou logistiques qu'il peut y avoir sur le territoire. L'emplacement pour nous est idéal, d'abord parce qu'il est vitrine, il est au bord de l'autoroute, sur cette ligne Bordeaux-Toulouse, qui représente quand même une bonne opportunité de visibilité et d'accessibilité. Et donc, il nous paraissait tout naturel de s'implanter ici maintenant et de saisir cette chance qu'est le Technopôle Agen-Garonne pour donner une deuxième vie au développement de notre entreprise. Nous appartenons à un groupe international belge qui s'appelle TVH, qui est présent dans le monde entier sur les 6 continents. Ici, on est sur un site de 12 000 m2, qui est à la fois notre entrepôt pour la France, mais aussi notre siège social, à la fois pour BEPCO et pour TVH. Dans le cadre de notre forte volonté d'expansion, avec le support de l'agglomération d'Agen et de la mairie de Saint-Colomb-en-Royois, nous avons aussi une réserve foncière de 12 000 m2 pour avoir une capacité globale à terme, sous 5 ans, de 24 000 m2. Le TAG, aujourd'hui, est une zone d'environ 220 hectares. 80 hectares sont aménagés, dont 16 hectares d'espaces publics. Nous avons fait le pari d'aménager de nombreux espaces verts, des parcs, des pistes cyclables, avec un éclairage photovoltaïque pour répondre aux enjeux du développement durable. On a aidé l'agglo à planter des arbres sur cette technopole à Agen-Garonne. On a fait en sorte que ces arbres soient irrigués avec l'eau de la nappe qui se trouve en dessous. Et à un moment donné, pour nous, à CMG, qui finissions un bail de location de 20 ans, s'est posé naturellement la question, est-ce qu'on y va ? Et de suite, on a décidé qu'on venait ici, car il y a les conditions pour nous permettre d'évoluer. Et nous pensons également au cluster qui va venir s'installer dans un an ou deux ici. Nous avons opté pour la construction de notre nouveau bâtiment qui rassemble nos deux structures sur la Technopole Agen-Garonne parce qu'on avait déjà une opportunité et c'était une des rares où l'on pouvait retrouver une surface suffisante pour ce projet et de pouvoir pérenniser surtout cette activité, surtout en ce qui nous concerne, dans le cadre d'une transmission d'entreprise, puisque Romain, à côté de moi, va reprendre les deux entreprises qui vont en faire qu'une, Imprimerie Graphique Sud et Sudmailing. Nous proposons une offre de service d'appui au recrutement des entreprises lorsqu'elles sont à la recherche de nouveaux collaborateurs ou de nouveaux talents. Nous facilitons aussi la mise en relation des différents acteurs du territoire au travers des clusters, au niveau des filières, des clubs entreprises ou avec le conseil de développement et en organisant également nos propres événements dédiés à l'économie. Alors, on va découvrir, Olivier Grimat, dans quelques instants, le nom de ce coup de cœur. Ce n'est pas une découverte, je crois que c'est déjà un nom qui a été connu, il n'y aura pas de suspense, mais au travers de ce film, ce qu'il y a de bien, c'est que vous mettez en avant à la fois le rôle, hein, qui est celui de l'agglomération, puis quelque part, les visages, les femmes, les hommes, qui non seulement animent ce territoire, qui quelque part concourent à son développement. Les deux sont, je crois pour vous, dans votre vision du développement économique, intimement liés.
d'un côté la capacité à accueillir, à développer, les crains, les moyens, et puis quelque part la mise en avant de celles et ceux qui sont les vrais acteurs du développement économique. Oui, effectivement. D'ailleurs, je vais commencer par des remerciements. Je représente l'agglomération ce soir et je suis très heureux de le faire chaque année à cet événement qui met en lumière justement les acteurs économiques. Et si je viens chaque année, c'est d'abord pour dire merci à vous toutes et à vous tous pour ce que vous faites pour le territoire. Parce que l'attractivité économique, c'est vous qui la faites. Nous, on a la vocation à créer un écosystème, faire en sorte qu'on se sente bien sur le territoire, faire en sorte qu'il y ait des espaces. Vous avez vu le film sur le TAG, donc, qui est un formidable écrin, pour reprendre vos termes. Mais dans cet écrin, il faut des pépites, il faut des gens qui ont envie d'entreprendre, il faut des gens qui prennent des risques, il faut des gens qui ont envie d'innover. Et ceux qui font tout ça au quotidien, c'est vous. Donc je voulais d'abord vous dire merci à vous toutes et à vous tous. Alors Olivier Grimat, celui de l'entreprise que vous allez mettre en avant dans quelques instants, est quelque part une forme d'ambassadeur de cet état d'esprit, je parle bien d'état d'esprit, qui caractérise à la fois l'audace d'entreprendre dans le temps et puis la capacité à se renouveler, la capacité à se réinventer sans cesse. Exactement. Donc c'est le coup de cœur pour illustrer, et je pense que c'est vraiment le bon exemple, la vie d'une entreprise. Chabrier Isolation s'est créé en 1987 dans une zone économique qui est la zone Jean Malaise. Et voilà, ils se sont développés et à un moment donné, se pose la question d'aller ailleurs pour continuer à se développer. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur aussi de bouger sur le territoire. Et il se trouve qu'on a la capacité d'accompagner aussi ce développement sur le territoire avec le TAG, mais d'autres zones économiques. Et donc, on voulait saluer cet esprit, cet état d'esprit de Chabrier Isolation qui, justement, pour continuer à conquérir de nouveaux marchés, pour continuer à être compétitif aussi, a fait le choix d'aller sur le TAG. Vous applaudissez, s'il vous plaît, Thomas Guillou, qui nous rejoint, c'est le directeur général de Chabrier Isolation, le spécialiste de l'isolation frigorifique industrielle, qui s'installe donc à la Technopole Agen-Garonne. Venez nous rejoindre pendant que vous faites quelques pas jusqu'à nous. Voici un portrait rapide de cette entreprise créée en 1985 par votre grand-père. Regardez. Créé en 1985 par Claude de Chabrier, le grand-père de Thomas Guillou, le directeur général de l'entreprise, Chabrier Isolation s'est développé autour de l'isolation frigorifique industrielle. Ses panneaux isothermes s'intègrent dans de nombreux métiers et applications, basés depuis toujours sur l'Agenais, Agen, puis Bonencontre, et récemment en Sainte-Colombe, en Bouillois, depuis l'implantation de son siège sur la Technopole. Chabrier Isolation fait partie du SNI, Syndicat National de l'Isolation, et en est même l'un des fondateurs. Bonsoir Thomas Guillou. Bonsoir. Alors, combien de personnes aujourd'hui travaillent dans l'entreprise ? Alors aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de personnes, alors sans compter le volant d'intérimaire et de sous-traitants, puisqu'aujourd'hui, nous, on utilise environ une quarantaine de personnes qui travaillent sur nos chantiers, en plus de la partie administrative. Alors, on parlait d'une capacité d'adaptation, de renouvellement, le lieu, la localisation du cœur de l'entreprise, finalement, on peut bouger, l'esprit reste le même. Voilà, effectivement, nous étions basés à Jean Malaise depuis une trentaine d'années. L'opportunité de construire pour nous, puisque nous étions locataires, nous a amené à aller sur la Technopole, qui est un endroit stratégique pour nous avec l'échangeur autoroutier qui va arriver bientôt, puisque notre zone de chalandise, nous, est essentiellement le Grand Sud-Ouest. Donc, besoin d'accessibilité. Et nous souhaitons rapidement le pont Mécaméla. Il arrive. Le message est passé. Oh, il arrive. Oh, oui, il arrive. Très bien. C'est le cadeau. C'est la promesse de. Non, allez-y. J'ai rien dit. Vous avez aujourd'hui, au travers de ce déménagement, également des projets d'augmentation de la capacité de savoir-faire également, je crois. Alors effectivement, nous aujourd'hui, on est dans une période où on est à la recherche de collaborateurs. C'est vrai qu'on connaît les difficultés aujourd'hui d'attractivité, notamment pour les métiers du bâtiment. Donc on espère pouvoir donner une image un petit peu plus positive aujourd'hui des métiers du bâtiment et peut-être un peu plus du nôtre, puisqu'on est sur un métier de niche aujourd'hui. Notre métier n'est pas appris à l'école, malheureusement. Il faut former sur le tas. Il faut former sur le tas, hein, exactement. C'est ça. On a mis en place cette année, pour la première fois dans le Sud-Ouest, un CQP. C'est une formation qualifiante pour les monteurs. On espère pouvoir renouveler cette expérience dans les années à venir pour justement attirer des nouveaux talents pour
grandir à nos côtés. La fabrication de pliages, petites serrureries, qui sont finalement nécessaires à l'assemblage des panneaux, hein, qui ne cessent de se développer, c'est un secteur dans lequel vous croyez beaucoup. Alors effectivement, on a investi, nous, il y a maintenant 2 ans, dans des machines pour réaliser nos propres pliages. On sous-traitait auparavant cette activité, et on s'aperçoit qu'en rapidité, en service aussi par rapport à nos clients et à nos équipes lors d'urgence, ça nous a permis d'augmenter notre capacité de production. Vous avez aujourd'hui cité le défi du recrutement, hein, d'aller chercher les nouveaux talents. C'est important de le dire, ça fait le lien avec un sujet qu'on évoquait tout à l'heure dans une précédente catégorie. Pour vous, il faut arriver à jouer groupé sur l'attractivité du territoire, parce que pendant très longtemps, on a pensé à l'attractivité des territoires avec l'implantation des entreprises, avec les infrastructures, les réseaux. Aujourd'hui, on voit bien dans les nouvelles recherches, les nouvelles aspirations, hein, du personnel, quel que soit le secteur d'activité, qu'il y a aussi d'autres attentes, d'autres besoins dans le service, dans l'accompagnement, dans le métier du conjoint, dans ce qui concerne la garde d'enfants, dans bien d'autres domaines. Jouer groupé autour de ces sujets, alors, ça vous semble effectivement important? Effectivement, je crois que tout à l'heure, on parlait d'adaptabilité des entreprises. Et effectivement, c'est à nous, entrepreneurs, de modifier un petit peu notre manière de manager pour plaire à cette fameuse génération Z dont je fais plus ou moins partie, de vraiment prendre du plaisir à venir travailler le matin, passer un bout de sa vie dans l'entreprise et grandir aux côtés de l'entreprise. Thomas Guillou, vous allez recevoir ce trophée des mains de l'agglomération. Je vous laisse vous saisir de l'avant-dernier trophée de la soirée. Vous approchez du centre de la scène et vous allez recevoir en prime, à partager l'ensemble de vos collaborateurs, félicitations, les applaudissements, voilà, et les félicitations de la salle. Merci beaucoup. Merci. Et bonne installation, bon développement dans ce tout nouvel écran. Merci beaucoup à vous. Voici la dernière catégorie de la soirée. C'est une catégorie très importante. On a beaucoup et on parle beaucoup évidemment de l'impact du local, de l'impact du circuit court, mais là tournons-nous vers l'international, dont on sait à quel point il est également un formidable vivier de développement. Dernière catégorie, international. Ce trophée international parrainé par la région Nouvelle-Aquitaine va nous permettre d'accueillir sur scène celle qui représente ce soir le président Alain Rousset. Elle est vice-présidente du conseil régional. Vous applaudissez Maud Caruel, s'il vous plaît. Venez me rejoindre. Très heureux de vous accueillir ici même. Vous avez vu qu'au travers des différents nommés, finalement, dans les catégories précédentes, on a vu à quel point également il y avait des entreprises qui pouvaient compter, qui comptaient déjà, et qui pouvaient compter sur le soutien, l'accompagnement de la région Nouvelle-Aquitaine lorsqu'il s'agit de redéployer une industrie performante, de nouveaux outils, lorsqu'il s'agit également d'être au plus près, hein, des problématiques dans les bons et les moins bons moments. L'international, c'est un point sur lequel vous souhaitiez ce soir accentuer ce rôle clé d'accompagnement qu'a suivi la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, effectivement, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine soutient depuis toujours, hein, l'ensemble des entreprises, et effectivement, par rapport à ce prix à l'international, au développement et être en concurrence et voilà, avoir les outils possibles, le soutien financier, l'accompagnement pour être au mieux et performant en tant qu'entreprise de région Nouvelle-Aquitaine. Et tout ça se croise avec d'un côté les enjeux, par exemple, qu'il peut y avoir dans certains secteurs comme l'agroalimentaire, hein, qui est très performant à l'international, et la ligne tracée, hein, dans le cadre de Néoterra. Tout cela se croise avec l'équipement de ce qu'on appelle les usines du futur, hein, pour reprendre des termes chers au président Alain Rousset, et avec la capacité à s'adapter, aller chercher parfois les niches, aller sortir des sentiers battus, parce que c'est ça aussi, savoir aller à l'international, c'est se glisser là où parfois on n'attend pas l'entreprise pour qu'elle se développe. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à s'appuyer sur des experts pour faire cela? C'est développer de nouvelles filières. Vous parliez de la feuille de route de Néoterra qui a été construite en 2019. Là, on part sur une nouvelle feuille de route 2. Avec accélérer toujours plus la transition écologique. On l'a vu là sur les performances des entreprises en matière de développement durable, de transition écologique toujours plus importante. Et effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine accompagne à cette nouvelle transition écologique.
on l'a vu dernièrement, hein, avec un peu le rapport du GIEC qui est catastrophique, hein, sur la situation, et il fallait véritablement s'engager. La région Nouvelle-Aquitaine, pour le début d'année 2022, va mettre en place un appel à manifestation d'intérêt dans la transition écologique en direction des entreprises, dans l'idée, dans l'objectif de décarboner, effectivement de développer de nouvelles filières, d'aller sur l'éco-conception, de toujours innover et effectivement d'être dans la performance, dans la recherche aussi, hein, le lien important avec les laboratoires qu'on peut engager pour développer de nouveaux concepts, de nouvelles fabrications, de nouvelles façons de faire. Voici les trois nommés dans cette catégorie internationale. Regardez. Née en 2001, l'entreprise familiale Perle de Gascogne s'est construite autour de la production d'huile vierge rare et haute de gamme à usage cosmétique et alimentaire. L'activité de l'entreprise, reprise par Nathalie Barrère, la fille du fondateur, et Christophe Merle, son beau-frère, s'est enrichi de nouvelles gammes, notamment bio. Ils ont monté à Pujol une usine de production d'huile de chanvre bio, de cameline bio, de courge bio, avec des graines locales. Avec la crise sanitaire, la visée internationale a pris de l'ampleur, notamment au Japon, en Corée, aux États-Unis, en Russie ou en Australie. Entreprise familiale créée en 1990, spécialisée dans le domaine des équipements d'aide à la navigation et la sécurité maritime pour faciliter notamment l'entrée dans les ports, Mobilis est établie à Bonencontre. Tout est réalisé à Agen, de la chaudronnerie pour les éléments alu ou inox ou du rotomoulage pour les autres pièces. Toutes ces conceptions sont exportées dans le monde entier. Elle s'attache à faire de l'innovation avec des aides à la navigation ou de la signalisation et développe avec le CNRS des bouées qui pronostiquent la météo et qui collectent les données pour la pêche. Airplast est concepteur et fabricant de dériveurs et bateaux de moins de 6 mètres destinés à l'apprentissage de la voile légère. Son best-seller est connu de tous, l'Optimiste. Cette entreprise familiale qui va bientôt fêter ses 40 ans est dirigée par Jean-Christian Michel. En 2 ans, son chiffre d'affaires lié à ses activités à l'international est passé de 15 à 25%. Airplast a intégré la production du OneFly, un bateau volant qui est devenu sa nouvelle vitrine qui devrait être présentée en 2024 aux équipes olympiques pour devenir peut-être support olympique aux JO de Los Angeles en 2028. Vous applaudissez Airplast, s'il vous plaît. Perle de Gascogne, Mobilis. D'un côté, Airplast qui réussit son virage à l'international. Perle de Gascogne qui met en avant le savoir-faire haut de gamme. Et Mobilis qui innove dans les solutions de balisage, l'acquisition de données. Voilà trois très beaux finalistes. Un seul lauréat va nous rejoindre sur scène. Donc, le lauréat est Mobilis. Mobilis, c'est un bon encontre. Alors, les dirigeants de Mobilis sont, je crois, au Cameroun et ne pouvaient être présents parmi nous ce soir. Mais Yann Plantefol, qui travaille à Mobilis, va nous rejoindre ici pour récupérer le trophée au nom de l'entreprise, au nom de ses dirigeants. Le président de Mobilis, c'est François Junier. Louis Junier est le directeur général adjoint. C'est une entreprise familiale, j'insiste bien là-dessus, qui a été créée en 1990, spécialisée, ça a été dit, dans le domaine des équipements d'aide à la navigation, à la sécurité maritime. Avec notamment un savoir-faire particulier sur tout ce qui concerne l'entrée dans les ports. Il faut préciser à quel point l'entreprise est innovante en matière de conception, de fabrication, ce qui lui a permis de s'imposer assez rapidement, d'ailleurs, comme le leader dans son domaine d'activité. Il œuvre partout dans le monde, là où il y a des océans, là où il y a des mers. C'est ainsi que le plus gros de son chiffre d'affaires réalisé à l'export, l'Europe, mais également l'Asie, l'Amérique. Et donc, nous saluons les dirigeants qui sont en ce moment au Cameroun. Bravo, en tout cas, à eux. Des conceptions exportées dans le monde entier, donc un chiffre d'affaires très important et des applaudissements à cette entreprise leader dans son secteur d'activité. Bravo. Et bravo à la région, également Nouvelle-Aquitaine, qui accompagne le développement de cette entreprise, comme d'autres d'ailleurs. Bravo et félicitations à Mobilis. Vous allez rester sur scène quelques instants, s'il vous plaît, parce qu'on va convier l'ensemble des lauréats à nous rejoindre dans quelques minutes. Donc, vous allez rester là avant que tous nous rejoignent sur scène pour la photo de groupe. Avec un peu de distanciation, cela dit, je vous demande à Frédéric Touraille de me rejoindre. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Venez, mon cher Frédéric. Sous le regard de l'ensemble de celles et ceux qui ont fait partie du jury, des équipes de la Chambre de commerce, qui ont encore une fois œuvré de façon tout à fait pertinente au regard des nommés de ces différentes catégories, avant que ne s'ouvre le cocktail dînatoire en format
networking, cocktail durant lequel je vous demanderai évidemment de garder un maximum de prudence dans les gestes que nous partagerons les uns les autres. C'est un sujet, vous le savez, ô combien d'actualité. Frédéric, qu'avez-vous pensé? J'ai presque envie de dire de cette promotion, parce que c'est en période de Noël, cette promotion 2021 des Septuors du Lot-et-Garonne. Vous avez raison, on devrait faire des promotions en fait. Hein. Alors c'était la promotion au sens, c'était pas celle-là, mais allez-y. j'ai pris quelques notes pour essayer de me rappeler de tout, parce qu'on parlait de diversité, oui. On parlait de richesse, et je pense qu'on a été quand même pas mal servi par cette promotion ce soir. Donc Sébastien, je vais faire un peu votre boulot. Donc sur le, on a parlé d'entrepreneuriat, à la fois en famille, en couple ou individuel. On a eu des hommes et des femmes, bien sûr, hein, sur cette scène. On a parlé de management d'équipe, on a parlé de capital humain. On a parlé aussi de vieux et de jeunes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Bertoumieux. On a parlé de circuit court, de livraison client direct entre entreprise ou usine. On a parlé de cluster, mais d'usine, d'entreprise ce soir. On a parlé beaucoup de collaboration entre lauréats, ça m'a surpris. Donc on sent quand même qu'il y a un écosystème qui est très fort, y compris entre sponsors et lauréats. C'est vrai. Bien sûr, Agen, centre du Sud-Ouest. Oui, on ne peut pas venir ici sans dire, vous avez raison. Et puis ensuite, on s'est ouvert sur pas mal de choses, donc le régime alimentaire des chats et des chiens, c'est vrai que je ne m'y attendais pas ce soir. On a eu également, bien sûr, la French Tech, l'innovation, on a parlé de gestion de l'eau, de changement climatique, on a parlé de robots palettiseurs, de management de projet, d'isolation industrielle, de bouée en mer. Donc, ce sont des choses qu'on n'attendait pas forcément. Et puis, forcément, quand on progresse dans la soirée, on s'ouvre l'appétit. Donc, on a parlé de fruits séchés, de confitures, de pruneaux, bien sûr, quand même. De gin, de chips moins grasses, de canards gras, de noisettes. Et puis, pour finir, c'est vrai qu'on a eu la chance, hein, de pouvoir s'ouvrir l'esprit avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et finir par, bien sûr, tout ce qui était respect et intérêt général. Donc, je pense qu'on a été effectivement très gâtés ce soir. Bravo à tous. Bravo et félicitations pour votre dynamisme, votre capacité à entreprendre que l'on va souligner au travers de la photo. J'aimerais qu'en régie, on accompagne en musique la montée ici sur scène de l'ensemble des lauréats qui vont apparaître d'ailleurs à l'écran pour la Chambre de commerce et d'industrie. Le prix spécial est décerné ce soir à Natura plus Ultra Pet Food. Venez mon cher représentant de Natura Ultra plus, pardon, Ultra Pet Food. Je vais y arriver. Je vais demander à ACMG Agralis de nous rejoindre ici sur scène pour le prix développement durable, pour l'industrie à l'Exem, les uns parrainés par Toyota, les autres par Prévi France. N'économisez pas le jingle en régie, je vous en remercie. Le prix agroalimentaire a été décerné ce soir à BioLoCloc. C'est Christian Cassané qui l'a remis pour la Fédération départementale de Groupama. J'aimerais que le lauréat du prix entrepreneur nous rejoigne, remis par Serre France, EFS Solutions. Le prix innovation a été remis à PAPS avec Jean-Luc Guéry. Venez me rejoindre, monsieur le président du MEDEF. Le prix commerce artisanal et territoire à Comptoir 4, remis par le président de l'Union des commerçants qui a vanté évidemment Pruneau ici même. Le prix spécial Agen Agglo a été remis à Chabrier Isolation et le prix international parrainé par la région de Nouvelle-Aquitaine a été remis à Mobilis. Vous les applaudisseurs qui nous rejoignent sur scène. Venez, avancez-vous, je vous en prie. Avancez-vous les uns les autres. Avancez-vous dans la lumière. Le plus dur ce soir aura été finalement de vous mettre dans la lumière. Vous qui, au quotidien, œuvrez finalement au développement, à la mise en lumière non seulement de vos secteurs d'activité, mais d'un département qui ne cesse de faire parler de lui, qui ne cesse d'entreprendre, qui ne cesse de se développer, qui ne cesse de surprendre, qui ne cesse finalement de décliner à l'envi ce que l'audace dans le domaine de l'entreprise permet de générer de plus formidable, une capacité à se renouveler, une capacité à se réinventer, une capacité également à créer ensemble. Félicitations, bonne soirée à vous toutes et à vous tous et rendez-vous l'année prochaine. Bonsoir.